Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, on est à la bourre, on n'a pas fait d'annonce. Bienvenue pour ce commentaire de match de round 2 du tournoi Minish Cap Rando. Aujourd'hui il va opposer Thy Dark Horse à iBot 02, donc 3 des joueurs relativement bons. Bon, iBot est un peu plus dans l'ombre puisqu'il vient souvent notre tracker pour les races hebdomadaires. Et Dark Horse qui est bien placé puisque Dark Horse est quand même seed 3. Tout de suite regardez le challenge. Et donc le gagnant de ce match va passer au tour 3 et rencontrera le gagnant du match de Dax dont l'adversaire n'est pas encore connu étant donné qu'il manque encore deux. Il reste encore deux matchs de premier tour à faire. Encore pas programmé, donc ça risque d'être chaud pour connaître son adversaire. Pour lui. On va passer assez vite sur le restream. Il reste 2 minutes avant la race. Je prépare les trackers. Voilà, parfait. On est bon, donc le départ va avoir lieu dans 2 minutes à peu près. Tire de plus, on va s'amuser. Là, comme on est au tour 2, on va peut-être enfin voir des races sub 3. Ça risque d'être des races assez rapides. Espérons que ça a marché. Et heureusement que on a Deoxys en régie qui nous indique combien de temps il nous reste avant le début de la race. Merci la régie. L'important c'est qu'on soit à l'heure. Comme ça. Normalement tout est setup. J'ai les trackers différents. Ouais. Parfait. Allez. 1 minute avant le départ. Après, heureusement, parce que là, je suis sur l'écran d'iBot et je vois le compte à rebours. Il a mis directement le timer de race time, donc je vois tout de suite quand le compte à rebours aura lieu. Ça, c'est plutôt cool. Il reste à présent 30 secondes. Et voilà, ça y est, le compte à rebours de 15 secondes est lancé chez iBot, donc on va pas tarder à démarrer. 5, 4, 3, 2, 1, go. C'est parti. Cinq petites secondes de retard chez Dark Horse, mais c'est pas trop grave. Alors qu'on a deux cœurs directement dans la maison de Smith. Et un rubis. Ça fait toujours l'avantage de faire le... Et voilà. Donc voilà on time. Ah bah ça commence avec une Gust Jar. Gust Jar dès le début. Et donc bien sûr on enchaîne direct avec Grégal. Qui donne rien évidemment comme d'habitude. Hein. Bon bah fort bien, fort bien, fort bien. Dark Horse qui va tout de suite setup l'entrée du café. La dame du café qui donne 20 rubis. Toujours rien. Chez Karloff, nous n'avons qu'un quart de cœur pour le moment. Donc la Karloff médaille risque de ne pas être nécessaire avant un petit moment.
Alors qu'il y a un livre et la Great Spin dans la boutique. Aibot qui va parler à Gorman alors qu'il n'y a absolument pas besoin. Le freestanding ne nous intéresse pas. Ah, Dark Horse qui va aller voir le... qui va setup pour le charme de Dean, pourquoi pas. Les coffres de Tingle d'un côté, la cave à vin du maire qui donne rien de l'autre pour Dark Horse. Premier coffre de Tingle, un rubis vert. Là, Dark Horse va très certainement aller du côté aussi des coffres de Tingle. Aibot qui stutter un petit peu sur son live, semblerait-il. Deuxième coffre de Tingle. Ah oui, il est en 720 source, donc on ne peut pas changer, il n'a pas le transcodeur. Ça ne vient pas de moi, ça vient bien du stream. Et merci Doxys pour le host. Pour le moment, nous n'avons rien du côté de Tingle. Des flèches, des bombes, toujours rien d'intéressant. Et rien, rien du tout. Il n'y a absolument rien dans les coffres de Tingle. Il reste peut-être le dernier coffre qui pourrait peut-être avoir notre bonheur. Le coffre du Nord reste, non, rien du tout, juste 100 rubis. Le coffre central, le coffre du boomerang magique, actuellement. Ah bah voilà, la première épée dans le coffre du boomerang magique. On l'attendait, je pense. Alors, premier petit split dans la route. Par contre, on va aller voir du côté du château, alors que Aibot va tout de suite aller voir dans la grotte au rubis. Rien pour le moment au château, il reste le maître d'armes, enfin la salle du maître d'armes, on n'a pas encore accès au maître d'armes, étant donné qu'on n'a pas la lanterne. Et chez Dark Horse on trouve, oh, une autre épée. Une autre épée, une Castor Wilds, un scroll, un boomerang. Et un autre livre. Que se passe-t-il avec, avec Aibot? Ah mais oui, alors, on va voir souvent des pauses parce que du coup Aibot utilise son propre tracker. Donc lui il a pas l'auto-tracker. Deuxième bouquin, épée, roll et boomerang. Alors qu'on a un quatrième cœur. Du côté d'Aibot. Ouais, c'est assez rare quand même l'épée ici. Mais ça arrive. Et j'ai oublié de noter la Castor Wilds du côté de... du côté de Dark Horse. Et donc là, on va quand même aller du côté de... des collines de l'Est. Avec un haricot magique à gravir qui peut avoir potentiellement de la progression. On peut pas faire la grotte, on peut pas aller voir Bellary. On n'a que ça à faire de ce côté-là. Un rubis vert et une Castor Wilds. On a déjà deux Castor Wilds, donc peut-être que Fortress serait requise. Hein. Il y a de fortes chances en tout cas. Le maître d'armes, on a deux checks de disponibles. C'est pas idiot de les faire maintenant. Au total, il y en a quatre à faire de checks. L'un qui se débloque avec l'épée, le deuxième qui se débloque avec l'épée blanche, le troisième va être débloqué une fois qu'on aura les bottes, et le quatrième va se débloquer avec la cape. Et le premier check ne donne rien pour le moment. Le deuxième, le check de Brise au Roc. Downthrust.
Un check de la simulation du côté d'Aibot pendant que Dark Horse va aller voir du côté du ranch le petit pot de Malon, la cachette secrète de Malon. Ah non, pas de... Non, directement la forêt Minish, forêt de Tiloria. Avec la première bouteille. Et les livers qui font toujours un petit peu suer dans ce défi de la simulation. Roll attack. Et rien du tout à la simulation. La simulation a été faite pour rien. Pendant que Dark Horse continue dans Minish Woods. Et ne trouve rien de plus pour le moment. Donc ça sent le village Minish. La progression au village Minish, possiblement. Il y a trois checks qu'on peut faire maintenant tout de suite, plus celui-ci là, en plus de celui-ci qui arrive. Donc c'est... Eh ben voilà, les bombes étaient ici. Donc ça, ça ouvre pas mal de checks maintenant. Salut Hilux. D'autant que maintenant, étant donné qu'on a les bombes, on peut aussi directement aller voir Mellary. Oh bah déjà la troisième épée. Alors qu'on va avoir un check du côté du pot de Malon. Voilà, ça ouvre Mellary. Oh, il aurait pu faire Bellary depuis le village Minish. Et le pot, rien du tout. Il aurait pu faire Bellary depuis le village Minish vu que ça ouvre le rideau. Ça ouvre le rideau dès qu'on a les bombes aussi. Je n'ai pas vu de quel Kingstone il s'agissait. Il n'a pas mis l'auto-tracker. Ah, ok. Cloud Tops, parfait. C'est une Cloud Tops. J'ai eu le temps de lire, pas moi. Du coup, la bouteille pour iBot. Il va récupérer son troisième scroll aussi. Il n'y a aucune raison qu'il se mette à l'ignorer, ce check-là. Alors que nous voyons les checks de Bellary. Un rubis vert. Non, on n'a pas eu encore de map check. Et Bellary ne donne rien. Reste un check dans Minish Village, effectivement. On comprend pas pourquoi il l'a pas fait. Il a perdu un petit peu de temps, peut-être du coup. Par contre, ça a perdu un petit peu de temps. Il pouvait tout faire ça à la suite, en vrai. Il n'y avait rien. Tout ça lui permet de revenir par le côté ouest de Minish Woods. Et voici donc les bombes pour Aibot. Après, malheureusement, voilà, avec son tracker, il perd un petit peu de temps. Et bah, d'autant que, en plus, on ne voit pas beaucoup son tracker. Nous, ce qui nous intéresse, on le voit pas trop. Son tracker est très volumineux. Il y a toute la map sur son layout. Donc, du coup, on voit pas trop les items, malheureusement. Donc, il va falloir que je fasse extrêmement gaffe au stream de iBot qui va récupérer donc sa troisième épée. Et voilà, le charme de Dean qui augmente l'attaque. Le charme de Dean augmente l'attaque de 50%. Le charme de Nehru augmente la défense de 50%. Et on a le charme de Faroré qui augmente attaque et défense de 25%. C'est un petit peu l'équivalent des anneaux dans les jeux Oracle. C'est pas bête pour faire la simulation, effectivement. C'est loin d'être bête. D'autant que dans ce jeu, voilà, on a beaucoup plus besoin de puissance d'attaque que de défense, puisqu'il est assez rare de mourir. Malheureusement, la simulation ne donne rien. Et on va avoir droit aussi au check de Bellary. Que voilà, du coup, iBot sait que lui, avec les bombes, il peut directement aller voir Bellary depuis Minish Woods. Il
Continue au niveau des checks des bombes, on va aller au nord de la plaine d'Hyrule. Faire le check de l'accès au cimetière. Et l'accès au cimetière donne spin attack. Qui veut dire qu'on a d'ores et déjà accès au bois de l'ouest avec ses 38 checks. Bon, moins 2 qu'on ne peut pas faire étant donné qu'on n'a pas la lanterne. Ce n'est pas bien grave, ça fait déjà énormément de checks. On prépare l'explosion du mur pour revenir après avec le bouclier, c'est pas bête. Tandis que Ibot va aller voir le Bombable Wall des collines de l'Est et va y trouver sa Cloud Tops. Et donc on a une Cloud Tops et c'est tout. Le Cloud Tops et c'est tout malheureusement. C'est pas trop la hype pour le moment dans cette Rupee Cave. Ce n'est pas grave parce qu'il reste encore un haricot magique à gravir avec plein de checks encore. On s'est appelé raccourci parce qu'on n'a pas l'Ocarina. Il y a décidément rien du tout. Pendant ce temps, Ibud va aller voir dans la cave à vin du maire. Dont on sait qu'il ne garde que de la petite monnaie. Et en haut du haricot, qu'y a-t-il ? La légende veut qu'il y ait une épée. Et non, il va trouver les palmes. Clé du ranch. Ainsi que juste la clé du ranch. Palme clé du ranch, c'est plutôt pas mal. On a été habitué à beaucoup mieux. Alors qu'on regarde là du coup du côté d'Ibot, sous-sol de l'école. Ça met l'entrée de. Ça met Droplet en logique, effectivement. Et on n'a toujours pas fait de map check, hein, parce que on a entré dans Deep Wood, on a entré de Droplet. Attention. Je pense que là, ce serait une bonne idée. Ce serait une bonne idée de regarder la map pour voir ce qui est à faire. Et... Oh, les bottes du côté du maître d'armes. Bonne trouvaille, tout ça. C'était le maître d'armes de la plaine. Alors que au sous-sol de l'école, nous avons rien. Rien que dalle. De le... Que chi, walou. Et dans les douves, 5 rubis. Quel est le second check des douves? Encore un quart de cœur, ce qui porte son total à 5. Ibot va aller faire le même check. Pas certainement, sauf que lui, il n'a pas les palmes, donc il ne peut pas aller chercher les bottes. Alors que Dark Horse a la capacité de pouvoir faire les checks verrouillés par les bottes. Et deux checks supplémentaires au château. Pour éviter de se faire troller par le rope d'or. Spin attack, du coup. Également acquise à Ibot. Et il va pas aux douves. Il n'a pas les douves. Ah bah non, il n'a pas les palmes. Je suis débile. Je suis débile, il a absolument pas les douves. Il n'a pas les palmes. C'est tout à fait normal, dit en passant. Alors que du coup, Ibot, oui. Il est grosso modo forcé d'aller directement à Western Woods, hein, vu ce qu'il a eu. Épée de 2 plus spin égale Western Woods. Et les checks du château ne donnent rien. Rien du tout. Donc il va sans doute aller falloir regarder du côté soit de Veil Falls Nord, soit de Deep Wood, soit de Droplets avec les palmes qu'il a eues. Le freestanding n'étant qu'un rubis. Et on voit qu'il y a un papillon au freestanding. Et là, il va donc récupérer sa Greenstone. Pour le moment, ça reste assez fermé comme seed. Hein. L'obtention des palmes ouvre un petit peu, mais bon, l'éventail des choix reste un peu limité. Il y a deux donjons. On donne la clé, évidemment, pour avoir un accès au lac.
Alors, la bouteille du ranch. Juste un quart de cœur. On a aussi le check derrière. Ah oui, les checks des bots, tout à fait. Et donc, palme et clé du ranch pour iBot également. Et rien du tout derrière les bottes au ranch, donc marche arrière, on retourne au lac. On va aller plonger dans le petit point d'eau à côté de la maison du propriétaire de la boutique qui donne 5 flèches. Pas très intéressant tout ça. Le freestanding. Oh, les bracelets de force sur le petit îlot accessible à la cape. Il va falloir le mémoriser, ça peut être requis. Et le map check, on sait que Cave of Flames et Deep Wood ne sont pas à faire. On fait les checks en logique du lac, les checks que, pour lesquels normalement il faut les bottes, mais que l'on peut faire en sequence break. Et on tente le Crenel Mountain du côté d'iBot. Un rubis bleu, dommage. Donc là, premier gros split dans la route. L'un est au lac pendant que l'autre est en train de faire Crenel. Au niveau de la densité de check, si on compte l'entrée de droplets qui est à faire, on le rappelle, c'est grosso merdo la même chose. Et la médaille de Karloff. La médaille de Karloff dans Crenel Mountain. Ah, on tombe à l'eau, moi là c'est sans gravité puisque du coup on peut se rattraper de l'autre côté. Ah, là par contre c'est un peu plus embêtant. Retour à la case départ de la salle. Eh non, c'est pas ça. Moi si j'étais lui, j'irais tout de suite aller voir les grottes des palmes dans Minish Woods quand il aura fini ça. Il y a 5 flèches aussi du côté de la source de chaude. Le freestanding de Waveblade, 5 rubis, on s'en fiche. Alors que va décider Dark Horse maintenant? Il va faire le coffre du ranch. Alors il ne peut en faire qu'un sur les deux étant donné qu'il n'a pas la lanterne. Il peut peut-être déjà ouvrir. Ah, encore une Kingstone. C'est une Kingstone de Veil Falls. Alors, iBot, pas de nouveau check chez les Gorons, chez Crenel. Ça ne saurait tarder, alors que du coup. Dark Horse va aller voir du côté des Gorons. Alors, premier check. Ah bah, rubis rouge synchrone chez les deux. Et la bouteille des Gorons, 50 rubis, on s'en fiche. Alors que à Crenel, qu'y a-t-il dans la mini Hype Cave? Un rubis rouge dont on se moque. Évidemment, lui n'a pas la. Il a les palmes, il aurait pu économiser des bombes en vrai. Et rien du tout. Par contre, un refil de bombe fort utile. Et la clé du cimetière était juste à Minish Woods, de l'autre côté du petit point d'eau. Plus que. En vrai, il ne manquerait plus qu'une épée et la lanterne pour pouvoir faire la crypte. Alors qu'on va aller voir la grotte des égouts. Hey, une bombe d'économiser, c'est toujours bon. Hein. Mais là, comme on a vu que l'item n'était rien, c'est pas la peine d'économiser. Juste un quart de cœur, dommage. Et sixième cœur, du coup, pour Dark Horse.
Et donc là, on va aller voir les grottes accessibles aux palmes dans Minish Foods. C'est le choix logique. Hein. Il n'y a pas de débat. Hein. Là, les deux plays des deux joueurs s'expliquent tout à fait. Après, étant donné que le dernier item qu'on a eu, c'était plutôt les palmes, autant d'abord commencer par vérifier les checks accessibles aux palmes. Un nouveau cœur. Ah, 5 bombes. Il reste une grotte à aller vérifier, alors que iBot, lui, va retrouver 20 rubis chez le Minish du Mont Crenel. Donc on voit bien... Alors, il est possible avec, voilà, avec les bots d'annuler la physique de la glace. Il nous évite de glisser dans la direction dans laquelle on allait précédemment. Et il n'y a rien dans ces grottes. Hélas. Donc là, il pourrait se poser la question d'aller visiter un des donjons. Ce que va faire Dark Horse, qui va aller dans Deepwood. Car c'est le donjon le plus proche de l'endroit où il est. Même s'il n'est pas à faire, il peut quand même faire une bonne tartine de check. Enfin, tout dépend du layout des clés, parce que il peut être obligé de faire le boss malgré tout. Alors qu'Aibot continue son petit bonhomme de chemin dans le Mont Crenel. Ah bah, boussole dès le début. S'il y a la grande clé dans le coffre suivant, il serait obligé de faire le boss pour avoir des checks potentiels dans le donjon. Qu'on n'aime pas toujours. La petite grotte des mini-fées, là, un rubis vert. C'est une clé. On peut continuer. On peut continuer, mais on sait qu'une clé, c'est relativement maigre dans Deepwood, parce qu'on peut très vite se retrouver bloqué par le boss, qui peut détenir une clé. La petite strat qui permet d'avancer vite, d'éviter de tirer le levier... Donc on est obligé d'appuyer sur les interrupteurs là pour cramer les lianes. Étant donné qu'on n'a pas la lanterne. Avec la gueuse, on aspire juste des tas de merde. Et toujours pas de deuxième clé. Ça peut devenir embêtant. Et du coup, ça va être les bots pour iBot également. On peut penser que iBot va aller vérifier les mêmes checks que ce qu'a fait Dark Horse précédemment. Évidemment, sans cap, on est obligé de tirer jusqu'au bout. On sait que voit que le freestanding, ce sont 5 bombes. Ah, voilà une deuxième clé. Donc ça peut nous éviter la route de l'enfer dans Deepwood. C'est pas trop mal. Et un autre sac de bombes. Deux sacs de bombes à la suite, en fait, si on suivait la logique. Ah non, ils étaient c'était bloqué par les palmes. J'ai rien dit. Celui-là était bloqué par les palmes. Car il fallait avoir l'accès d'abord à Deepwood. Donc là, du coup, iBot va aller voir du côté du château, hein, faire les checks. Ah, c'est vrai qu'il a pas fait le maître d'armes, enfin la maison du maître d'armes. Il a rien fait du château, lui. Troisième clé. Et la Jabbernut. Inutile, donc, du coup, étant donné qu'on avait l'accès déjà avec les palmes. Ça stutter un petit peu du côté d'iBot. Hein. Le stream d'iBot est un petit peu instable. Je vais essayer de pause play un petit peu. Non, on n'y arrivera pas. Ça vient vraisemblablement de lui. Et on sort. Il sort. D'accord. Il sort. Il aurait pu faire des checks en plus, hein, en vrai.
pause play un petit peu pour me remettre à niveau. Ouais, c'est bon, voilà. Et au niveau timing, on est synchrone. Les deux sont exactement au même niveau. Du coup, Dark Horse va sans doute se diriger... Ah, il va peut-être faire un play Castor Wild, ça serait pas débile. Avec les bombes et tout. Ah non, il va faire déjà le maître d'armes avec les bombes. C'est pas idiot. C'est pas idiot du tout. Ben, 20 rubis. Merci Teshin, merci Sweetblade. Alors, Karloff, rien du tout. La grotte derrière la cascade dans la ville, rien du tout non plus. Alors, est-ce que quelqu'un va se diriger vers les tchèques de la ville? Oui! Dark Horse a l'air de vouloir s'y diriger. Est-ce qu'on va avoir un check des poules aussi en même temps? Ça, c'est sympatoche. Ah, et donc un check Krennel, donc des checks qu'on a déjà vus. La bouteille d'eau, ce n'était pas pour les checks de la ville, c'était plutôt pour accéder à Krennel. Pourquoi pas? Bon, on a vu qu'il n'y avait pas grand chose, hein, du coup. Juste la Karloff Medal. Ce que iBot est en train de vérifier. Et on avait juste Fast Charge. Eh ouais, Rome. Début épée Jarpal, mais pas de deep food à faire. Moi, je dis. Il y a quand même baleine sous gravillon. Alors qu'on a un check des poules du côté d'iBot. Ah, on a eu une noyade. On a eu une noyade de la poule, j'ai pas vu. Pourquoi il est entré chez les charpentiers? Soit. On va aller voir le grenier. Le grenier du propriétaire de la boutique. Qui s'appelle Stockwell en anglais et Fouyaya en français, je crois, si. Si ma mémoire est bonne. Et le grenier nous donne 5 rubis, merci beaucoup. Ouais, la note, elle était dans Deepwood. Hein, donc inutile. Totalement inutile. Là, malheureusement, pour le moment, Dark Horse est en train de faire ses checks dans le vent. On a vu qu'il n'y avait rien. Après... Dark Horse n'a pas souhaité aller au bout. Dark Horse, il s'est arrêté juste au mur à péter. Peut-être qu'il y aurait quelque chose sur la route, mais il faudrait malheureusement aller un petit peu plus loin. Et ça, personne n'a envie d'y aller. Ça marche, non mais prends ton temps, te presse pas. Hein. Ne va pas t'étouffer avec une part de gâteau. On t'attend. Ne t'inquiète pas. On a une demi-heure de seed. On a quand même 3 épées. On a... Ah, il s'est fait manger par le ver. Manger, digérer et expulser. Ça arrive ça souvent quand on a les bottes.
La foi, ça reste encore bien vide, hein. Moi, je pense qu'il faudra quand même aller à Droplets, ça. Ah, il se barre, il a fait... Voilà, Veil Falls. Veil Falls pour iBot. Donc, au niveau des items, ils sont grosso modo au même niveau. Alors que Dark Horse va aller faire un check du côté de Castor. Un petit check de Castor Wilds, intéressant. Des nouveaux checks, alors que du coup, iBot se rend compte qu'il y a les bracelets verrouillés par la cape. Et un huitième cœur pour Dark Horse. Alors qu'iBot va faire, lui, les checks accessibles en minish à partir du lac. C'est normal. Hein. Bot, dernier item accessible. C'est tout à fait logique de les faire, mais on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose, malheureusement. Dark Horse qui galère un petit peu sur le Dark Nut. Et un neuvième cœur, déjà. Et si la logique voulait qu'on ait 10 cœurs tout de suite pour un item de progression à Waveblade, c'est fort possible, c'est arrivé, ça peut se reproduire. Et il va tout de suite aller faire les checks accessibles en minish. Il reste, il n'a pas fait un check, hein. Il y a un check qu'il n'a pas fait en humain. Donc il va tout faire alors qu'il se fait troll, alors que iBot se fait troller par Lightbox de ce fameux passage en minish. Les Molmits! Portrait, c'est faisable et affaire, rappelons-le. Molmits, belle trouvaille. Belle trouvaille. Alors, attends. Merde. J'ai vu du coup ce qu'il y avait. Alors, je pense que tu as appelé au mauvais endroit. Oui, moi aussi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis en retard et j'en assumerai les conséquences. Ne te retire pas encore du commentaire, s'il te plaît. Attends, je vais te monter, Rob, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est mieux déjà si je parle normalement au lieu de chuchoter? Là, je viens de te monter un petit peu. Salut Rodin, d'ailleurs. Alors bonjour les gens, bonjour Redux, bonjour Vodin, bonjour Deoxys, bonjour à tous nos spectateurs et spectatrices. Donc apparemment de ce que j'ai vu un début avec Jar et Palm direct, on aime le départ Palm. Toujours. Toujours. Avec un joli call du coup de la part de Dark Horse avec les Mits, un Castor. Effectivement. Et donc là, on part faire une petite balade dans les marais. Et de ce que je vois du coup pour mettre à jour la situation, ce sont donc les deux premiers donjons qui ne sont pas à faire. Eh oui. Magnifique. Alors, résultat de la balade. Le dixième cœur, j'ai pas vu. Voilà. Résultat de la balade, rien du tout, plus. Alors que Sairup ne vend qu'un rubis, c'est vrai qu'on ne l'a pas vérifié ça. Dark Horse n'est pas allé voir la sorcière, il a trouvé sa progression, mais il s'est barré tout de suite. Voilà, et là. Il a pas été voir Syrup. Il a pris la clé du cimetière, il est pas allé voir Syrup. Ah, c'est con. On va voir si ça va lui être préjudiciable ou non. Malheureusement, la petite balade n'a pas payé.
Il n'a pas payé, mais bon, c'est vrai qu'il a quand même l'avance grâce aux mythes. Ce n'est pas évident de call les mythes ici à Caster Wilds, puisque déjà les mythes sont l'objet pour faire le donjon qui est après Caster Wilds. Et il y a des check mythes à Caster Wilds, donc c'est pas forcément évident de faire le call ici. Justement, parlons de check mythes. Les voici, les voilà. Ah, donc de l'amour, et puis de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ah, Johnny. Donc là, check mits, voilà, on va vérifier tous les check omits, bien entendu. Alors, iBot n'a pas de son. Non, iBot n'a pas de son, et j'ai... D'accord. Je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que je suis passé sur le son de Dark Horse. Je pensais prendre celui de iBot au départ. Je vois. Il s'appelle donc Véronique. Donc on a effectivement de nouveaux checks derrière les mythes. C'est normal de suivre le dernier objet obtenu en progression. Et brise-roc, brise-roc. Sous la ville. C'est utile. On va dire c'est pratique. Disons qu'il y a peu de parchemins qui ne sont pas utiles en fait hein, dans ce jeu. Il y en a peu qui Cloud sont tops. Utiles en termes de progression. Mais en soi, quasiment toutes les techniques sont utiles pour gagner du temps par-ci par-là ou en termes de praticité. Bon, c'est bien de trouver un rouleau. Surtout avant d'aller aux toilettes. Je suis un commentateur, sortez-moi de là. On continue les checks des mythes, bien entendu. Voilà. Là, je pense qu'il va faire le tour de tous les check mythes qu'il peut trouver, surtout qu'il peut en faire, tu peux en faire beaucoup. Après, je sais pas si c'est vraiment optimal de retourner à Krennel juste pour ça, pour descendre derrière. Il peut pas, de toute façon, il a pas le grip ring. Ah oui. Ah oui. Donc la question est réglée. Effectivement. On est déjà à 12 cœurs. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est aller à Minish Woods faire les checks qu'il a pas fait. Les checks des mythes. Et s'il n'y a rien, eh ben, il reste quelques checks à Deep Wood. Et il y a le début de Droplets. Droplets sans... Faire un début de Droplets sans lampe pour trouver la progression. Mais là déjà, il y a Veil Falls. Il y a la petite grotte de Veil Falls qui est dans la logique. Il peut éventuellement faire le premier check de Veil Falls hors logique parce qu'il n'a pas la lanterne. Voir un petit peu ce qui peut l'attendre. Et puis s'il veut optimiser un peu, il peut essayer de regarder à droite, voir les rubis qui sont cachés. Ouais. Nous on a vu qu'il y avait juste un papillon. Pour le moment il y a eu juste un papillon. Il y a juste un papillon, ouais. C'est faible ça, Veil Falls. iBot qui est sur la voie de ses propres mythes. Il retourne à la ville. Il retourne à la ville. Pourquoi faire donc ? Ah, il a pas fait le sous-sol de l'école, effectivement. Alors, il est vrai que moi, j'aime pas trop faire le sous-sol de l'école par ici. Je préfère la combiner avec le puits, avec les deux checks du puits. Voici les mythes pour iBot. C'est bizarre, il le fait par la droite, lui. Ah, c'est un homme de droite, hein. En réalité, il n'y a absolument aucune différence. Non. Je suis pas sûr, par contre, que le petit trick de placer la bombe pour faire péter deux rochers à la fois marche à droite, par contre. Faudra que je le teste. Il me semble que c'est une question de placement et que c'est parce qu'on le place à droite, à gauche, que ça fonctionne. Faudra que je le teste. Il faut ouvrir le coffre. Et merci Bouli pour le follow, bienvenue. Bienvenue sur le Restream FM. Pas grand chose hein, pour le moment. On arrive un petit peu à une étape où rien ne se passe.
et qu'il va falloir aller deep dans un donjon. Anju, on l'a pas vérifié parce que des poules sont mortes. Des poules sont mortes pendant l'effet de, pendant l'essai de Daibot. Donc on va peut-être voir enfin ce qu'Anju a pour nous aujourd'hui. Des poules se sont noyées. Oh, c'est dommage. Voilà, il se fait bien trop les lapins, la poule blanche. Ok, donc ça y est, non, non, la poule blanche. Non, la poule blanche qui se barre. Hein. Comme d'hab. C'est toujours celle-là qui nous emmerde. Et bizarrement, alors que les dorées sont censées être les plus chiantes puisqu'elles sont plus rapides et elles vous échappent des mains, mais c'est bien la poule. Alors, Anju, attention, suspense. Merci, Anju. Et merci, Anju, CAC W. Donc il va refaire d'autres checks en mini, visiblement. Où peut-il aller? À la fontaine? Bah oui. Ou alors il va faire... Non, il va faire les trois checks de la ville. On en a vu qu'un. Il les a pas fait. Bon. On en a vu qu'un du côté de d'Aibot, c'est le check du grenier. Et du coup, c'est pas le CAC W dont je parlais, c'est le CAC. Oui, mais là on n'est pas à CAC. On n'est pas à CAC, donc... Oh, dommage. Dommage. Donc effectivement, la petite technique, c'est de tomber direct pour prendre les escaliers à droite. Ça nous emmène direct au coffre, c'est le plus rapide, effectivement. Sauf si on a les bots. Aibot termine sa petite odyssée en mini-niche dans les marais, qui n'apporte rien du tout, si ce n'est les mythes dans le tout premier coffre qui était à faire. Et du coup, s'il a rien trouvé, on peut dire que c'était l'Odyssée de merde. Ah, je suis pas loin du petit suicide, là. Alors, Skybot va mieux s'en sortir avec le Dark Nut que Dark Horse. Donc, ils essaient pas tellement. La manip à la botte, mais ça rate. Et du coup, il a du mal. Alors, il va à la bombe. Mais alors, dans ce cas, il faut jeter la bombe directement sur le Dark Knight pour infliger des dégâts. Sinon, il faut y aller au roll, puisqu'on n'a pas la cape. Et il n'y a rien dans la ville. Donc, faut aller dans Droplets. Droplets ou Dipouze, mais effectivement, Droplets, ça peut... Ah, peut-être que ce fameux cœur... Non. Ce fameux rubis, non, rien du tout. C'est non. Par contre, 11 cœurs. Deux rubis l'un à côté de l'autre. Il n'y a jamais rien à ce rubis de toute manière. C'est la petite tirelire des fermiers. Dont les noms sont Amestram, d'ailleurs. Et du coup, leur fils, il s'appelle Gram, c'est ça? Pas certainement. Une bourse qui pourrait servir pour choper la Great Spin, puisqu'il y a la Great Spin au spot à 600 rubis. Oh, ça c'est intéressant. Parce que même si on sait qu'il n'y a rien sur la progression en rouleau, ça peut être sympa de prendre la Great Spin si on la reconnaît. Puisque ça simplifie beaucoup de combats et beaucoup de boss, notamment sur Vati. Eh oui. Alors qu'on est dans les Midscaves de Minish Woods. Et on va enchaîner sur le lac, donc il va aller faire la Mids Grotto du lac et sans doute faire un dip dans Droplets. Droplets qui est un donjon à faire. Mais un donjon à faire, la plupart du temps, et idéalement avec la lanterne. Voilà, c'est sûr tout ça. Juste avant, un petit check de Waveblade. C'est ça, si vous avez la version normale, vous avez la version premium. Et quand vous n'avez pas de chance et que vous n'avez pas l'argent, vous pouvez vous taper la version de merde. La version où vous tapez les pubs à la con, c'est-à-dire les puzzles de glace. Et ça fait chier. Et votre expérience s'arrête avant la fin. Surtout. C'est ça, vous avez que le côté gauche. Vous êtes sur la version premium, mais vous devez acheter la version pro pour pouvoir continuer. Et ben, c'est exactement la même chose dans Droplets, si vous n'avez pas la lanterne. Vous en donne un avant-goût, et au moment où vous commencez à vous amuser, et ben stop, commencez à casquer. Le pire du pire, ce serait quand même
une lanterne Vanilla, parce que là, il pourrait y avoir une lanterne Vanilla vu qu'on a les palmes avant d'aller à Droplets. Tout le côté gauche est accessible. Surtout qu'en plus, on a bien les pieds rouges. C'est, littéralement, tout est accessible, tout ce qui ne requiert pas la lanterne. Exactement. Donc là, c'est possiblement la pire, c'est la pire configuration possible. Parce que si vous n'avez pas les palmes, vous n'avez que les rubis à gauche qui sont accessibles et vous savez que Droplets, ça s'arrêtera à ça. Si vous avez les palmes, vous savez que vous pouvez être contraint de faire le donjon Vanilla jusqu'au coffre lanterne. Après là, fort heureusement, on a aussi la Gust Jar. Donc ça va nous permettre... Non, ça va surtout nous permettre d'accéder au pot. Oui. Ah, c'est vrai que ça droplette un petit peu du côté d'iBot. Effectivement. Bah, du coup, faut se rappeler de comment faire ce puzzle-là, Vanille. Donc, vous poussez le bloc d'en bas tout à gauche après la rangée de 3. Vous poussez les deux autres blocs juste à leur gauche sur la rangée de 3. Ça vous sert à positionner le bloc qui cache la clé juste sur le bloc à gauche. Vous le faites descendre. Vous le faites aller à gauche, puis en haut sur le levier et vous le faites fondre. Tout ça pour la Bekia qui vous donne l'accès au reste du donjon. Bekia qui est Vanilla, aucun suspense. Toujours Vanilla, encore pendant la durée du tournoi, déjà au moins elle sera toujours Vanilla. Et après elles pourront jouer à pick change avec son homologue de la salle d'à côté. Et un, là, ouh, l'arc. Et voici l'arc. L'arc et deux clés. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de trouver la troisième Castor Wilds, du coup. Ce qui donnerait accès à Fortress. Alors, effectivement, on ne peut pas être requis de faire le donjon Vanilla, en logique, puisque cette porte-là ne peut être ouverte qu'avec toutes les clés en possession. Et puis, de toute façon, on ne va pas l'ouvrir. Ah, mais c'est vrai, en plus, elle est accessible sans, puisqu'on a le pot. Après... Donc, en fait, c'est en logique. Après, il pourrait y avoir une saloperie selon laquelle il y aurait de la progression au Mother Pillar. Et auquel cas, faudrait ouvrir cette porte quand même. Ce serait hors logique, certes, mais s'il y a de la progression derrière, ça pourrait valoir le coup. Alors, c'est vrai que contrairement à OT, on a... Eh ben, non. La lanterne dans le pot, eh ben voilà, le donjon est finissable à présent. Mais quelle indignité. Ça, c'est littéralement... le pire coup de prostituée. Ah mais moi j'avais dit fait sur Droplets. J'avais dit il fallait aller dans Droplets. Je l'ai dit il y a 12 minutes de seed. Je veux dire, quand vous êtes obligé de faire Droplets pour trouver la lanterne, pour avoir la lanterne dans Droplets, et vous devenez fou. Alors surtout en plus là, vous savez que vous avez le reste du donjon accessible. Mais en plus, vous n'avez pas la cape. Vous vous tapez donc tous les puzzles de glace. Vanille. Ah mais moi je l'ai dit, fallait aller dans Droplets. C'était sûr en fait. Et là, s'il trouve la quatrième clé, il peut aussi faire le bout de chou en logique. Et bon, c'est pas le cas, ok, très bien. Parce que quand vous avez le bout de chou en logique, comment vous passez devant, c'est pas bon signe. D'ailleurs, ouais, il y va. Alors, notre grand ami numéro 1, voici Blue Chou. Alors que iBot continue à faire les checks de la ville, bon, il va très certainement rejoindre Dark Horse à Droplets. Faut aller à droite, voilà. Il est allé à droite, mais je crois qu'il est allé trop tard, il a perdu un cycle. Non, c'est bon. C'est bon, ok. D'ailleurs, il faudrait maintenant que Dark Horse trouve une quatrième épée pour pouvoir aller à la crypte. Et elle aussi est requise. Et oui, il y a masse de checks. Effectivement.
effectivement, puisqu'ils ont déjà les bottes. Et on a des souvenirs, on a des souvenirs du Blue Chew qui détiennent une épée. Donc c'est pas débile. Il va pas nous faire deux fois le même coup, je pense. Écoute, après une lanterne au pot de droplets, tout peut arriver. Hein. Alors, on va avoir les réponses. La réponse, tout de suite, chez vous, sur votre écran. La réponse 100 rubis. Est... 100 rubis. C'est encore l'arnaque. C'est... On se demande vraiment... Et voici la quatrième clé. De faire le Blue Chew à l'heure actuelle. La quatrième clé était là. Ah, donc le Blue Chew est effectivement en logique dès cet instant. Et iBot, iBot il va à Droplets. Bien, bon, il va aussi faire le bon call. Hein. Et il va être lui aussi très content de trouver sa lampe ici. Non, il sait pas. Il sait pas. Il hésite. Il se laisse pousser par le vent. Après, voilà, iBot, il utilise son propre tracker à lui. Donc, lui, il a pas d'auto-tracker. Donc, il fait tout manuellement. C'est vrai, c'est... Il est bizarre, d'ailleurs, ce tracker. Ben, déjà, il est lisible pour nous. Alors... Le fait est que je trouve plus lisible comme ça que ce qu'il avait avant. Parce que avant, l'interface, la page était blanche par défaut. Oui. C'était écrit, c'était du noir sur blanc. Je me souviens du fond blanc, oui. Voilà. Mais je veux dire qu'au niveau de la taille, c'est très difficile pour nous de lire. C'est pour ça que je garde quand même une attention particulière à ce qu'il fait, parce que je peux rater des checks comme ça de manière totalement débile. Écoute... Je préfère ça plutôt que d'avoir 90% du stream sur son tracker et 10% sur le jeu. C'est toujours mieux qu'un tracker de Soli, on est d'accord. Voilà. Et pour le moment, à part la lanterne, il n'y a rien du tout. Il y aura un élément, c'est ça. Il y a un élément, donc on sait que de toute manière, il faudra le faire. Sachant que... Il y a les rubis. Mais un problème va se poser à lui très vite lorsqu'il va arriver à ses fameux rubis. Et que s'il n'a pas la cape dans ses rubis, il va être obligé de faire machine arrière et de récupérer les derniers checks par le côté gauche. Et non seulement ça, mais il va pas pouvoir activer... C'est ça, il va devoir prendre le chemin Vanilla pour activer le warp bleu. Il va pas pouvoir casser le donjon. C'est ça. Donc là, je pense qu'il mise vraiment sur le fait de trouver la cape. Sinon, on va se faire chier. Ah, bac d'escalade quand même. C'est un autre objet. C'est un autre objet. Alors en revanche, on a eu la carte et la boussole. Ah, donc évidemment, il va être extrêmement content s'il trouve la cape, mais dans les coffres nénuphars. Eh oui. Dans ce cas, il est très content. Ok, d'or, se faire. Là, c'est même plus l'opposition version premium et version pro. C'est la version pro et la version super pro. Parce que là. C'est 9 gags en fait. C'est pro et le pro plus. Là, c'est malheureusement, c'est le DLC du DLC, comme on dit. Vous avez déjà payé, ben vous allez encore payer. Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire le en ligne de Nintendo. C'est un peu ça. Vous payez votre connexion internet, puis vous voulez du online peer-to-peer, bah payez pour le peer-to-peer que vous payez déjà chez vous. Alors. Peut-on éventuellement avoir un autre petit lot de consolation, c'est-à-dire trouver un bouclier dans Droplets. C'est vrai qu'on n'aura toujours pas de manip d'Octo. C'est vrai, il n'y a eu aucune manip Octo depuis le début du tournoi.
Même si je pense honnêtement que Myth va s'en occuper. Mais attends, il y avait un arc aussi dans Droplet, je viens de voir. Oui, on l'a dit tout à l'heure. L'arc sur les rubis. Ah oui. Je pensais que c'était le deuxième. Il me semblait que... Ah. Il se barre ? Pourquoi il se barre ? Tu peux finir le donjon, Coco ? Il a peut-être vraiment pas envie de le faire... Il a vraiment pas envie de le faire, Vanilla. Ou alors il a peut-être compris autre chose. Qu'est-ce qui pourrait lui manquer ? Faire le coffre ici, déjà. Mais bizarre. Mais c'est vrai que normalement, il lui manque rien. Bah, il a tout en logique. Le problème, c'est qu'il a vraiment pas envie de faire le puzzle dans la grande salle. Et voici la lanterne pour iBot. C'est ça, ce serait dommage. Oui, mais le problème, ce serait dommage de ne pas aller activer le war. Ah, il a vraiment pas envie de le faire sans cape. Hein. Et si la cape était plus bas? Et si la cape est dans Droplet, c'est une énorme erreur et il perd l'acide sur ce play. Hein. Ah, il va faire Veilfoz. Il va faire Veilfoz grâce à la bague d'escalade quand même. Je sais pas si c'est le plus optimal. Sauf si on a accès à Cloud Tops. Alors, on a accès à Cloud Tops, mais dans ce cas, ce sera le chemin Vanilla. Je pense honnêtement qu'il aurait été plus optimal de faire Krennel et le Beastall que de la Hype. Puisque là, à sa place, tu ferais quoi, toi si Bah, moi, j'aurais déjà fini Droplets. 100%. J'aurais fini Droplets. Ça permettait en plus de clean le lac totalement, on n'aurait plus à y revenir. Enfin, il resterait juste la Hype Cave en gros et puis Library. Mais du coup, après Droplets, entre Krennel et Veilfoz. J'aurais fait Veilfoz. J'aurais fait Veilfoz. Cave of Flames n'est pas à faire donc. C'est vrai. Alors qu'il y a juste un champignon et le papillon. Un petit papillon, mais... Alors, j'ai pas vu de quel papillon il s'agissait. De l'arc. Arc. On a trouvé qu'un seul papillon pour le moment, donc oui, c'est celui de l'arc. Alors, au moins, c'est un papillon qui va lui servir. Ah, donc, iBot, lui aussi, va faire... Le Blue Show. Quatrième Cloud Tops. C'est pas ce qui nous intéressait. Nous, ce qu'il nous aurait fallu, c'était Castor Wilds. Il n'utilise pas un auto-tracker. Non. T'as raison. Et la première expédition dans Cloud Tops. Ah, donc. Alors, c'est bizarre qu'il fasse la première fusion. Surtout si tu dois faire le chemin Vanilla sans cap, le mieux c'est encore de faire les 4 dernières fusions en fait. Oui. En théorie, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on pourrait le faire de manière optimale. Après, c'est vrai que bon, c'est pas tant de temps perdu, tu peux toujours après perd une dizaine de secondes à tout casser. Voilà. C'est pas le plus important, on va dire. Il va pas faire celle-là, du coup. C'est celui-là qui skip. C'est celle-là qu'il va pas faire. Alors ça, par contre, c'est dommage. Parce que du coup, il a fait le petit aller-retour pour rien. C'est-à-dire, même si c'est pas celle que t'avais prévu de faire de base, si t'y es, fais-la pour éviter de perdre quelques secondes. Oui, exactement. C'est dommage. Alors, les petits piranhas, là, parfait. Et là, on a quoi ? Un quart de cœur. Bon, pas génial. Hein. On reste en manque de bouteilles. Hein. On a toujours qu'une seule bouteille. Et de son côté, iBot qui prend l'argent du Blue Chew, le rubis et de la même couleur. D'ailleurs, tu vois, en plus Dark Horse, lui, il a profité d'avoir sa bouteille assez tôt pour pouvoir acheter le charme de Dean. Il a acheté le charme de Dean ? Oui, il a utilisé au début pour faire la simulation.
Ah, mais c'est pas con du tout, ça. Le seul inconvénient de cette strat, c'est que du coup, tu es forcé d'avoir Zin, ce qui est con si tu avais prévu de faire la strat Petit Zizi avec Nero. Ou alors tu fais Faroré, c'est plus simple. Oui. Ça, bon, tu perds 25% d'attaque et 25% de défense, mais au moins t'as les deux. Écoute, j'aime bien le bleu. Moi aussi, mais j'aime pas la défense. Disons que j'aime les strats de Petit Sax. On continue du coup l'exploration de Cloud Tops. Bien, du coup, c'est vraiment le chemin vanille avec toutes les tornades. Ah non, mais c'est totalement tel que les développeurs l'attendaient, hein, puisque on n'a pas de moyen de casser le truc, puisque le seul objet qui permettrait de casser, c'est la cape que Vanilla on a après. Alors, au moins, on casse le jeu avec toutes les Kinstones de Cloud Tops du même type. C'est vrai. On peut préciser que normalement, les 5 Kinstones sont de formats différents. En sachant d'ailleurs que le chemin prévu par les développeurs dans l'ordre dans lequel on ramasse les Kinstones, c'est dans l'ordre, sauf la première qui se fait en dernier. Donc, c'est-à-dire, en gros, comme on le fait à chaque fois qu'on a que 4 Kinstones. Et cette histoire de formes différentes de Kinstones, c'est ce qui a fait que dans les premières versions du Rando, les seeds étaient infinissables parce qu'il y avait un gros micmac au niveau des formes de Kinstones qui ne correspondaient pas à celles qui étaient nécessaires. Donc, vous aviez Fortress à faire, ben, vous étiez niqué. Vous aviez Palace à faire, niqué. Il y avait de la progression dans Veilfalls, niqué. Après, c'était la version du Rando où DHC était open avec la cutscene après Cave of Fates. Voilà. Donc en soi, vous cherchez que les objets pour Vati. Bon, et il n'y a rien du tout, hein. Rien et du tout à Cloud Tops. Cloud Tops est vide. Il reste juste un coffre. Il reste un coffre et puis après, c'est tout. Selon l'emplacement de la cape, ça peut très vite être ultra punitif. Ah, il va quand même faire le dernier assemblage. Alors, on va voir également si iBot va s'arrêter au même endroit. Est-ce qu'iBot va rester ? Est-ce qu'il va se barrer ? Récupère sa bague d'escalade au passage. De toute façon, il va déjà aller au deuxième levier, ça c'est certain. Et là, Dark Horse va très certainement soit terminer Droplet, malgré tout, soit aller à Krennel. Si c'est cassé de Droplet pour aller à Veilfalls, je pense qu'il va aussi aller à Krennel. Hein. S'il a voulu gamble que Droplet n'était requis que pour le Grip Ring et que la cape est trouvable derrière le Grip Ring, il va aller à Krennel. C'est logique. Ah, il va d'abord aller voir le maître d'armes avec la lanterne. C'est sur le chemin, effectivement. Mais si c'est comme ça qu'il analyse la logique, je pense c'est 100% sûr, il va aller à Krennel ensuite. Pour lui, Droplet, ça devrait être le dernier endroit qu'il a envie de checker pour la cape. Non, iBot, il faut serrer à gauche. Et le maître d'armes, il nous donne... Rien du tout. Rien du tout. Il donne des bombes. Il t'apprend à te servir de ton épée, mais il te donne des bombes. Tiens, mon petit. C'est absolument pas ce que je t'ai enseigné, mais bats-toi avec. Là, il va faire l'arrière de l'auberge. Normal. Et donc, du coup, il va peut-être enchaîner avec Percy, hein. Alors, mais du coup, petite question en curiosité.
S'il y a une seule maison qui est disponible en bas de la ville, est-ce qu'il y a d'autres maisons accessibles dans le, dans la, sur la map, ou est-ce que tu peux au final héberger qu'une seule déesse ? Alors je crois qu'il y en a deux en fait de maisons. Tu peux... Il y a deux maisons normalement dans l'état final de la ville. Sauf que il me semble que la deuxième maison n'est disponible qu'à la fin du jeu, si ma mémoire est bonne. Donc tu peux même pas héberger les trois déesses. Tu peux pas avoir les trois, oui. Voilà, Ibot qui est en train de se faire troller par le puzzle. Enfin, puzzle avec des gros guillemets. Ouais, alors du coup, il reset là, ça, c'est vrai que c'est plus rapide si vous faites troller. Après, il a les bots. Hein. C'est-à-dire, s'il se fait troller par la glace, il peut utiliser les bots pour filer tout droit. L'avantage des bots, c'est vraiment que la physique de la glace ne s'applique pas quand vous utilisez un objet. Ah, elle est dispo, la deuxième est dispo tout de suite après la première. Ouais, d'accord. J'avais un doute sur la disponibilité de la deuxième. Je pensais que c'était qu'à la fin du jeu, un peu comme le Mirror Shield. Ah, et il se... Non, il se garde, il se casse, non ? Non, non. Il reste. D'accord. Donc lui, il va continuer dans le plate. Est-ce qu'il va trouver la cape ici ? Est-ce qu'il va trouver un objet ici ? Ah, parce bouclier soit... Ah bouclier. Peut-être une manip d'Octo. Bah, quand ils se mettent à deux contre toi, évidemment, c'est la grosse fiesta. Allez, il aurait pu toucher les deux en même temps. Et voilà encore une scrub qui a magnifiquement obtenu son BTS action commercial. 200 rubis pour oh, le prix de 40. Oh non, bah, heureusement qu'il a le Warp Rouge. Heureusement qu'il a activé le Warp Rouge. Effectivement. Et il se casse. En soi, c'est vrai que c'est pas con ce qu'il a fait. Avec le... Non, il retourne. Non, il retourne parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait le finir. D'accord. Parce qu'en soi, une fois que tu arrives au Warp Rouge, c'est vrai que tu peux revenir plus tard. Mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le tracker d'iBot ? J'arrive pas à lire. Il y a plein de trucs. On dirait un tracker de Sony en vrai. Bah, en fait, je crois qu'il met à chaque fois où il a trouvé l'objet. Ah ouais. Ah bah, un papillon. Et le c'est papillon. Si on souhaite être autorisé, hein, puisqu'en soi, tu pourrais parfaitement prendre des notes de quels objets tu as obtenus. Papillon des Mythes. Donc le troisième papillon qu'a Vale Falls Sud, c'est le papillon des palmes. Ouais, il s'est rendu compte qu'il pouvait finir. Il pouvait finir le donjon, c'est pour ça qu'il est retourné. Ah, donc là, on a vraiment deux choix différents de la part des deux joueurs. Et même si je comprends pas vraiment pourquoi Dark Horse n'est pas resté pour finir. Sachant qu'il se peut très bien qu'il trouve la cape à l'intérieur de Droplets. C'est ça qui fait le plus peur. Après, ça dépend. S'il est parti juste après le Warp Rouge, il peut toujours reprendre le Warp Rouge en se disant... Bah, il n'est pas le Warp Rouge. C'est sûr gros problème. Si, il a activé le Warp puisqu'il a baissé le levier. Alors, le Beanstalk de la hype. Qu'y a-t-il ? Il a quoi ? Que dalle ! La grosse dèche ! Ah là là, c'est magnifique. C'est comme Acid de tout à l'heure, ça. J'ai pas été voir le Beanstalk, mais j'étais en go mode avant d'y aller, donc il y avait rien. Même si on sait comment ça s'est fini. Et là, tu vois, du coup, Ibot, il va faire l'aile ouest de Droplets avec le nénuphar, vanille. Voilà, donc s'il y a un objet ici, Dark Horse est dans la merde. Parce que Dieu sait quand il va effectivement retourner à Droplets, avec ou sans la cape d'ailleurs. Et là, le problème, c'est qu'il reste plus grand chose en vrai. Donc c'est là ou à Deepwood. Parce que Dark Horse a fait une partie de Deepwood, mais il s'est barré en plein milieu alors qu'il y avait d'autres checks accessibles.
Ah, peut-être Percy. C'est peut-être Percy. Espérons pour lui que Percy ait quelque chose. Oui, c'est ça. Ça c'est j'ai crash à Droplets Go Mode. En gros, tu vois, juste devant la porte du Blue Chew, les blocs de glace. J'ai voulu sortir Valentin dans ce moment-là et Bizot qui l'a fait. Non. Percy nul. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Ah oui, les checks avec Clark. Les checks avec Clark dans Castorwise. Il y a ce check-là. Il faut juste réveiller l'Igor. On n'a pas besoin de les tuer. Les Igor, ils sont gentils. En plus, ils sont gentils parce que si on ne les touche pas, ils nous font gagner du temps plutôt que d'essayer de les tuer. Il a en plus ses 7 scrolls, donc il va pouvoir les vérifier. Swiftblade, premier du nom. Et donc pouvoir clear Castorwise, en fait. Et pour lui, ce serait bien qu'il y ait quelque chose. Eh ben non, pas du tout. Il reste 2 checks encore. Eh ben alors, mon enfant, tu voulais que je t'apprenne quelque chose? Alors que le Mother Pillar n'a rien du tout pour le moment. Le Mother Pillar de Droplets n'a rien. Eh non plus. Il reste 3 checks. En plus du cœur d'Octo. Ça commence à faire peu. Alors tu les mouches avec ton épée. Voilà, là tu n'as que un demi-cœur, ça va être très chaud de t'en sortir. Qu'un check dans Castor Wilds. Et si c'était celui-là? Eh ben non, il faut retourner dans Droplets ou dans Deepwood. Et là, ben, le problème, c'est que c'est un choix, c'est un dilemme qui se pose pour lui. Un rubis déjà, sur la plaque de glace. Non seulement il faut qu'il retourne à pied, mais en plus, faut décider quel donjon. Parce que les deux sont en logique. Oh, il y avait un autre bouclier à Droplets. On sait où sont les deux boucliers. Ah, intéressant. Donc Octo était manipulable aussi en plus. Et cette scrub-là vendait un rubis pour 20 rubis. Voilà. On applaudit les écoles de commerce d'Hyrule, hein, parce que elles font un travail formidable. Ah, et du coup, voilà, le problème de faire cette salle dans l'ordre vanilla, c'est qu'il faut pousser les blocs de glace, le puzzle dans son intégralité. Alors, le champignon. Allez, le bottier, que va-t-il nous donner? Rien du tout. Rien du tout, ouais. Une botte d'eau, une beauté les fesses, c'est bien. Alors, il reste ce coffre-là. Et rien. C'est rien du tout. Magnifique. Alors, du coup, il va se passer que Dark Horse va sans doute aller à Cave of Flames. Alors là, pour le coup, je comprends absolument pas ce play. Bah, les rubis. Les rubis. Bah, ouais, mis à part les rubis du début. Les rubis. Parce que le problème, c'est que là, il a pas la canne. Il va devoir faire le trajet vanille en poussant les rochers. Alors qu'il a Droplets en logique finissable et qui est un donjon requis. C'est dommage. Là, à mon avis, il doit s'en douter qu'il y a quelque chose de Droplets, mais comme il a Gamble, qu'il voulait pas le faire sans la cape, il se dit si c'est bien Droplets, j'ai perdu, je vais donc vérifier tout ce qu'il y a ailleurs. Et le problème, c'est que, bah, en fait, le pire, c'est qu'il, pour le moment, il a raison. Il n'y a rien eu à Droplets. Et si c'était Octo? Si la réponse était Octo? On va le voir dans quelques minutes maintenant. Et du coup, iBot est sur le point d'aller à Octo. Et si la canne était à Cave of Flames, en revanche? Alors ça, ce serait un énorme avantage. La cape, veux-tu dire? De manière obligatoire, puisque vous en avez besoin pour, oui, Vati.
Et ça voudrait dire qu'il pourrait clear Cave of Flames. Mais on s'en fout. Cap, mais clear. Mais on s'en fout de clear Cave of Flames. Ah bah s'il y a un objet dedans, non, tu t'en fous pas. Au moins t'es tranquille. C'est, tant que t'as pas l'Ocarina, vaut mieux le clear tant qu'il est, si t'y vas. Donc en soi, ce serait même un bon scénario pour lui. Mais bon, voilà, c'est son comportement de ne pas finir les donjons à progression, les donjons de progression qui me déroute un petit peu. On sait que c'est chiant sans cap, mais parfois tu peux être obligé de le faire. Bah déjà là, t'as bien été obligé de le faire sans lampe. Ah oui. Donc en soi, on n'en est plus à ça près, j'ai envie de dire. Alors est-ce qu'on va avoir droit à une manipulation? Écoute, on a les bottes, on a le bouclier, on peut manipuler Octo. Après, est-ce que iBot connaît la manip? C'est ça qu'on sait pas en fait. Ah non, on a chopé le monstre. Alors le mieux ici, c'est de choper le pot. Avec le pot, avec la jarre. Plus simple de tirer le champignon. Salut Zosa. Ben écoute, c'est relativement fermé en vrai. Hein, le match. Non, mais il n'y aura pas de manip. Hein. C'est dommage. Je suis tristesse. Pauvre mythe. Il commande tous les matchs. Et il n'a pas une seule manip. C'est pour ça que moi, lundi, je vais lui faire honneur. Hein. Lundi, je vais lui faire honneur. Je vais tenter la manip. J'ai ce qu'il faut. Tu vas la tenter. Ah oui. C'est pas la tenter qu'il faut, c'est la réussir. Écoutez. Bon, en attendant... Dark Horse a fini de pousser ses rochers. C'est bien. Pour gagner 5 bonbons, bravo. C'est... Alors attention, là on est à Octo. Hein, donc potentielle progression sur Octo. On est qu'au cycle 2, donc on a encore le temps de voir venir et de se hyper sur la potentielle épée. Alors surtout qu'effectivement, on a eu la carte et la boussole. Sachant qu'Octo ne peut évidemment pas avoir... deux clés, puisque les quatre clés sont requises pour y accéder en logique, il y a des chances qu'effectivement il y a un objet de progression. Et on va enfin voir ce qu'il y a à Cave of Flames. Voilà, et donc maintenant vient la méthode RNG. Alors il y a carte et boussole. Carte et boussole et une clé. Carte et boussole maintenant, c'est-à-dire que tout le reste peut avoir un objet de progression. Et Octo est mort. Et Octo décédé. Alors, qu'est-ce donc? Un rubis au premier coffre de Cave of Flames. Et on récupère l'élémentaire. Et attention, attention, l'épée à Octo, on y croit, et c'est un rubis bleu. Oh, il n'y avait rien. C'était rien. Donc, Potentiellement, droplet, potentiellement Cave of Flames, sachant que ça peut être aussi Deep Wood, et je pense qu'à l'endroit où se trouve actuellement iBot, il va plutôt aller du côté de Deep Wood. Le pire, c'est que du coup, ça donne raison à Dark Horse. De pas avoir fait d'avoir délayé la fin de Droplets quand il aura la cape. Bel exé de Dark Horse sur les petites pestes à pointe. Le pot et puis la roll attack pour finir. Donc là faut être très attentif à ce qui va se passer du côté de Cave of Flames. Alors, quel est le quart de cœur? C'est des bombes. C'est inutile. Très bien. Donc, on perdra moins de temps tout à l'heure.
Alors après, il y a quelque chose que je comprends pas. Il a pas voulu faire Droplets sans cap, mais il veut bien faire Cave of Flames. Il veut faire Cave of Flames sans cap. C'est... Alors qu'entre les deux, je pense qu'un capeless Cave of Flames, ça fait quand même perdre autant de temps, hein. Il me semble. Et dans Cave of Flames, pour le moment, il n'y a toujours rien. Pour le moment. Ah oui, mais là, Zaza, ouais. dans cette configuration-là, si tu voulais finir Droplets maintenant, fallait faire le côté gauche. T'étais obligé. Alors Kaibot va aller sans doute aller chercher son champignon. Donc lui aussi va faire le petit Cloud Tops sans la cape. ZZZ. Et là en revanche on arrive à la fin de ce qui est faisable de Cave of Flames. S'il n'y a rien dans ce coffre là, eh bien c'est fini et ça aura été inutile. Il faudra revenir avec le bâton. Vivant les indices, on pourra skip la partie coach de Cave of Flames. Ouais. Eh ben, rien du tout dans Cave of Flames. Donc, c'est Deep Wood. C'est Deep Wood. Aïe, aïe, aïe. Coup dur pour Dark Horse. Puis, du coup, alors, maintenant, il doit... Non seulement, il doit repartir à pied. En plus, Deep Wood, c'est littéralement l'opposé de la map. Ah, mais il n'y a, a pas plus opposé que ça. C'est la diagonale. Au moins il a Grip Ring, mais bon. Grip Ring et bot quoi. Mais... Voilà donc ZZZ. Voilà la petite Cloud Tops du coup pour iBot. Au niveau inventaire, ils sont quand même à égalité. C'est la diagonale du vide, effectivement. Je me suis retenu de faire la blague, mais oui, effectivement. C'est pas faux. C'est pas faux parce que t'as le plateau de Belette et puis les collines de l'Est. Donc c'est un peu le vide, effectivement. Et il va finir d'abord Droplets. Alors il va être content, il va trouver son Mirror Shield. Il va être très content, effectivement. Mais malheureusement, pour les viewers et pour nous-mêmes commentateurs, ça va être un petit peu le moment où il va rien se passer parce que pas de nouveau check de part et d'autre. Il y en a un qui a déjà fait Cloud Tops et l'autre qui a déjà fini Droplets. Bon. En attendant, j'ai des pommes. Ou manger des frames aussi. Bah, du côté de d'iBot, je pense qu'on n'a pas attendu ton appel pour manger des frames. Ouais. Je vous ai pas dit c'est moi qui les ai mangés. C'est pour ça que j'étais en retard. J'ai mangé Sako. Pourquoi faire Cloud Tops avant Deep Wood? Bah, tout simplement parce que t'as fait Veil Falls et qu'une fois que t'es route Veil Falls, sachant que tu vas être amené à redescendre de toute manière, autant essayer de faire Cloud Tops en espérant trouver un Ocarina ou autre chose.
C'est surtout que quand tu comptes le nombre de checks disponibles, t'en as beaucoup plus sur l'ensemble Veil Falls, Cloud Tops qu'à Deepwood. Donc en soi, c'est pas con de faire ces checks maintenant. C'est... T'es à côté, t'en as beaucoup, t'en as plus que dans Deepwood. En soi, il y avait plus de chances d'avoir de la progression ici qu'à Deepwood. Sans compter que c'est là que la logique nous emmène, puisque on a trouvé Veil Falls, on a les Myths. Et surtout, le dernier objet qui a été trouvé en logique, c'est le Grip Ring. Tout à fait. Donc si tu suis le dernier item que tu as obtenu, c'est soit Krennel, soit Veil Falls. Et en l'occurrence, bon, le fait est qu'il n'y avait rien dans... il n'y avait rien derrière. À aucun des deux, le Grip Ring n'était pas utile. Le Grip Ring va être utile quand il va s'agir d'aller à Palace, mais c'est tout. C'est ça. Sauf si on chope là prochainement la cinquième Cloud Tops. Il y a plus de checks dans GTG que des Torches du Spirit. C'est une private joke chez toi, FH, ou... Non. Non, d'accord. Non, parce que oui, GTG, c'est sûrement la zone la plus lucrative de OT. Sauf quand tu as un indice Gerudo Training Grounds is a foolish choice. Sauf que c'est beaucoup plus rapide d'aller à Spirit quand t'as Requiem qu'à GTG quand tu n'as rien. Bah, c'est surtout que dans ce cas-là, si t'as Requiem, tu fais Spirit, Reverse Westland, GTG. Voilà, donc tu fais d'abord Spirit. Et plus près. Alors que là, t'as fait Veil Falls, tu vas au plus près, c'est-à-dire Cloud Tops. Une certaine race de tournoi. Encore, s'il ne restait qu'un seul check à Cloud Tops, tirez pas à Cloud Tops pour juste un check. Mais là, t'as quand même, c'est une zone qui est proche et c'est une zone qui a pas mal de checks. Donc t'y vas. Et de toute manière, tu serais obligé de redescendre. Voilà, là, il se rend compte qu'il n'y a absolument rien de rien. Droplet, c'est vide. Bah, vide. On y a quand même trouvé la lanterne, le Grip Ring. Ah, mais je parle de cette partie. Mais la fin est vide, on est tout à fait d'accord. La fin est vide, on reste sur notre fin. Donc là, il va pousser le second levier et accéder à Octo. Est-ce que lui, il va manipuler Octo? Puisqu'il peut, hein. Il peut manipuler Octo. D'accord, je crois qu'il a apprise la manip. En même temps, t'es pas top 3 si tu fais pas la manip, quoi. Plaisante bien et... Il est top 3, Dark Horse. Alors, il est top 2, alors. Parce que le troisième, c'est Alazun. Oui. Attends. Ah mais je peux pas. Non, il va rien se passer. Alors Dark Horse, il est top 3. Il est 3ème. À la Zune, il est 4. Ah, j'ai confondu les deux. D'accord. Ah, c'est vrai qu'il avait pas fait le levier de droite. Pas de gauche. Le levier de gauche plutôt. Bah, le levier de gauche qu'on accède avec la route de droite. Bon, bref. Ah, dans ce cas, il a fait les deux leviers dans l'ordre Mania. Voilà. Ah, tiens. Le charme de Dean du côté de d'Aibot aussi. Il a setup pour le charme de Dean. Alors il a parlé à Dean, mais de manière totalement involontaire.
Et accidentelle. Totalement fortuite. Et il retourne à Castorway. Donc lui aussi, il va faire les checks de l'arc. Les checks derrière l'arc. Et après, il va sans doute faire Deep Wood parce que lui, par contre, il n'est pas rentré dans Deep Wood. Donc il a tous les checks. Donc c'est peut-être plus engageant pour lui. Le charme de Dean, oui, c'est... C'est un objet. La petite potion que tu peux acheter à Dean, la déesse de la force, qui donne double dégâts quasiment. Et pas de manip. Ça, en fait, le charme de Dean augmente de 50% l'attaque, le charme de Nehru augmente de 50% la défense, et le charme de Faroré augmente de 25% attaque et défense. C'est comme les anneaux des oracles, en fait. C'est un contenu de bouteille. Voilà, elles sont sympas, donne de la boisson. La boisson te rend plus fort. Bon bah pas de manip. Je suis déception x2. Alors il y a un autre avantage à la manip. C'est que quand tu fais une sauvegarde, bah, tu te fais paniquer si tu craches. Voilà, parce que c'est une sauvegarde qui est forcée, puisque tu dois sauvegarder. Ouais, moi aussi, je l'ai toujours Faror. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Mais c'est vrai que les Américains disent plutôt Faroré. Et là, on ne peut pas en plus s'appuyer sur le japonais parce que Faroré en japonais c'est flore. Bon, donc on ne peut pas s'appuyer sur les japonais sur ce coup-là. Alors en soi, ben Faroré c'est littéralement la transcription occidentale de flore japonais puisque le japonais il dit Flore, il prononce... Et Fulol, Fulol. Fulolé. Non, c'est pas... Parce que du coup, ouais, c'est Flore, Flore. Ce serait Fuhoré. Ce serait Fuhoré. C'est... Puisque là, le R, il serait complètement bouffé. C'est Fuhoré. Donc c'est vraiment Flore. Ce serait Flore seulement. Bon, on s'est dit que Flore en occidental, c'était un petit peu pas assez exotique, donc... Les fleurs, c'est pas si exotique. Ah, le nom. Le nom, c'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu l'histoire de Terra et Tina d'FF6. Tina, c'est pas assez exotique, donc on l'a appelé Terra. Oui. Oui. Et moi, c'est vrai que j'ai... Parce que en français, en tout cas, j'ai toujours dit Faroré. Ma fibre latiniste qui revient. Ah, tu as été latiniste. J'ai été latiniste, helléniste. Ah. C'est les seules locutions latines que je connais, c'est celles que j'ai vues en droit. Faut pas compter sur moi. Alors, qu'est-ce qu'on va aller vérifier ici? La déesse fleur, tu t'attends à ce qu'elle s'occupe des fleurs. Bah, c'est pour ça que c'est la déesse de couleur verte, en fait. Le vert, c'est ce qui évoque la nature. De même, dans la légende d'Hyrule, telle qu'elle est contée dans Ocarina of Time, c'est Faroré qui a créé la vie. C'est ça, qui a créé la vie avec la nature, les forêts, les plantes et les hommes qui habitent la planète. Ah non, j'ai pas fait allemand. J'en ai fait des langues, mais allemand, c'est une de celles que j'ai pas faites. T'es pas masochiste à ce point.
Ah non, il y a des limites à ce que je peux supporter. Bon, du coup, iBot va lui aussi deep dans... Et il peut pas monter par là, il a pas la canne. C'est ça, c'est dommage. C'est-à-dire, du coup, il a pas du tout été dans Deepwood, et il préfère aller à Cave of Flames, qui est très loin. Et bon, alors à mon avis, c'est parce qu'il a dû compter, comme j'ai dit tout à l'heure, il a compté le nombre de checks, il s'est dit, il y a le Beanstalk de l'hype. Oui. Il y a tous les checks sur le chemin. Et quand il va voir que le Beanstalk est absolument barène, eh ben... Et le problème, c'est que même à ce moment-là... Il y a des slashs qui vont se perdre. Cave of Flames, parce qu'il pourra pas remonter derrière. Ben oui. Et donc Deepwood, la fin de Deepwood pour Dark Horse. Ouais, carrément, on lui donne la béquille ici, c'est d'accord. Ah, donc il était lock par le boss. Ouais. D'accord. Et là, de toute façon, c'est un peu tout ce qui reste à faire. Donc, soit on a la canne et il faut aller dans Cave of Flames, soit on a la cape et on peut faire autre chose. Soit on a Castor Wilds 3 aussi. En tout cas, il y a forcément de la progression quelque part dans un jeu. Alors, il faut aller à droite. On va passer à droite, Saïb. Voilà. Et deuxième cycle sans encombre. Et attention, préparez vos smileys de la hype. On va voir notre second Beanstalk de la hype. Qui est en fait un gros cake W parce que trois quarts de cœur. La hype! C'est bien parce que iBot passe du coup à 16 cœurs, ce qui sert à rien. Mais 16 cœurs quand même, il est devant au niveau des cœurs. Ouais, 16 cœurs, c'est mon processeur, ça. C'est mon processeur. Le deuxième arc. Le deuxième arc. Merci, Gonchou. Et du coup, la clé. Et la clé ici. Non. Non, non, mais il est pas bloqué par le boss, hein. Ah bah c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Non, c'est toi qui m'as dit en disant bah peut-être que parce que j'avais peut-être raté un check, mais non, il reste des checks à faire ici. Bah tu m'as dit, j'ai demandé, il est pas ça, tu m'as dit oui. Ah oui, parce que ça c'était pas boss luck. Il était bloqué par la lanterne, c'est vrai. Alors après, disons que déjà contrairement à OT. Les cœurs ne sont pas de la sont de la progression ici. Et surtout, disons que map. Tu crains plus Vati que Ganon. Ganon est super simple en fait. Et non, et puis en plus, non, t'étais même pas bloqué par la lanterne puisque t'avais une clé dont tu pouvais faire les Muldozers. T'avais les Muldozers direct. Alors pourquoi il s'est arrêté tout à l'heure? T'étais même pas bloqué par la lanterne. Cette clé, tu l'as depuis un moment déjà. Alors, oui, mais il a pas toutes les clés. Il en a trois. Mais il peut juste pas faire la grande clé. Mais sinon, il pouvait aller hors logique, certes, mais il pouvait quand même aller au Muldozers. Et que de toute manière, il aurait très bien pu aussi aller au sous-sol. Parce que la dernière clé, elle est très certainement là. Oui. Et donc, il pouvait le faire, quoi qu'il arrive. Même pas. Alors, où est-ce ? Ah bah la dernière clé est au sous-sol du coup. La dernière clé est au sous-sol. Non, donc toutes les clés étaient accessibles. Hein. La Gus Jar était là, aucun problème. C'est juste qu'il avait la flemme de passer par le sous-sol en vrai. Qui aime passer par le sous-sol ? Surtout faire le sous-sol pour le check. Ah, il va faire le coffre de la grande clé. C'est pas bête.
Mais c'est plus rapide de faire ça. C'est plus rapide de faire ça d'abord, hein, parce qu'après tu vas chercher le dernier coffre et après tu te casses. D'un autre côté, tu sais que il reste une clé de l'autre côté et elle peut pas être ici. Ça veut dire que selon l'ordre dans lequel tu fais les deux autres coffres, tu peux n'en checker qu'un seul et laisser le dernier qui possède la clé. Oui. C'est, bon, c'est une petite optimisation à la con, mais bon. Et ben voilà la canne. Et il pouvait l'avoir depuis tout ce temps. La canne est disponible depuis 1h20. Qui a cette seed? Je ne sais pas qui. Ça, c'est pas une petite seed, ça. Capeless et Lampless Droplets. Pas bien, c'est bon. Ça. Ah, c'est une mécide. Ouais, la canne est. Mais là, c'est... tu sais que c'est une clé en vrai, là. Toi, t'y vas, tu sais que c'est la dernière clé. Alors, le pire, c'est que maintenant. il va faire quoi? De toute façon, il reste quelques checks. Il reste quelques checks à la canne, mais il se peut qu'il faille retourner à Krenel. Bon, à Cave of Flames, donc Krenel, Cave of Flames. Après, c'est beaucoup plus facile étant donné qu'on a la canne, bien entendu. Disons que c'est mieux de faire les checks ville avant, parce que comme ça, si, tant que t'as pas l'ocarina, vaut mieux faire les checks qui sont sur la route avec le bâton, car si tu trouves quelque chose dessus, tu peux t'affranchir de retourner à Cave of Flames. C'est exact. Pendant que du coup, iBot va dans Cave of Flames. Il va dans Cave of Flames. Sans le bâton. Et voilà, tu te rends compte, voilà, bâton accessible depuis 20 minutes dans la seed, quoi. Donc là, très certainement, la fée, tout de suite la fée des rubis. Ensuite, Veil Falls Sud. Libellule. C'est ça, bon, Libellule, Veil Falls Sud, la ville. Fontaine, éventuellement. Bah, je pense qu'il va faire la fontaine, il va clear tout ce qu'il y a à la ville derrière le bâton, hein, plutôt avant de retourner à la. On l'a fait, c'est déjà rien, malheureusement. On enchaîne sur Veilfall Sud. Et là, le troll ultime, évidemment, la cape est dans Cave of Flames. Hein. C'est... ah, il fait pas Veilfalls! Pas maintenant en tout cas. Et... ah, il va d'abord faire l'école. Il va d'abord faire l'école. Gamble. Il gamble. J'aurais peut-être d'abord fait Veil Falls en vrai parce que. À la limite, tu set le warp. Tu set up le warp. Ah non, tu peux pas puisque tu vas changer de zone quoi qu'il arrive. On a même pas vu ce qu'il y avait. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant? Non, je ne crois pas. Donc Veil Falls, du coup. Cinq rubis dans le coffre au nord du ranch. Et ben voilà la cape. Ben oui, c'était derrière le bâton. C'était bien derrière la canne. Et la dog food. Et la statue de Tingle. Bien, ça en fait beaucoup là. Ça commence à faire beaucoup quand même. Donc ça fait potentiellement deux checks qui sont nouveaux en logique. Et on peut enfin faire ce check là. Derrière la canne et qui donc potentiellement peuvent être la progression. À la place de Cave of Flames. Il va faire la grotte au trésor. Il va faire Dog Food et grotte au trésor. Oui. Et il prend pas le papillon. Oh, c'est sur des palmes. C'est pas le plus important. Et puis on a plus besoin des palmes en vrai là. Disons que pour le coup, si t'as un bon machine. Le papillon des palmes est pas si utile que ça. Et puis, de toute façon, les palmes, c'est fini maintenant. Voilà, les bracelets. Ah bah oui, la cape donne accès aux bracelets.
En fait, moi, je pense qu'il n'y a même pas besoin de retourner à Cave of Flames. Il y a des chances. À part peut-être s'il y a une épée dedans, parce que c'est vrai qu'il nous manque encore deux épées. Ouais. Puisque là, les donjons à faire, c'est Fortress Palace, Crypt. Palace et Crypt. Bah oui, en soi, il reste que... Que des Kingstones et des épées. Oui. Deux Kingstones et deux épées. Quatre objets manquants. Ah, il a cru corp quand il voulait pas. Alors pour moi, voilà, c'est toujours le stream un petit peu light show du côté d'iBot. Attention, des tchous argentés vous tombent dessus. Dans cette situation, que faites-vous? Je dépasse. Boomerang magique. Et voilà, enfin, et une épée. L'épée de Troie qui était ici. Donc direction, là tu vas direct à la crypte en vrai. Tout de suite à la crypte. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'on va très vite encore se diriger vers une site sans ocarina. Un petit peu comme celle d'hier. Un peu comme la mienne d'aujourd'hui en plus. Hein. Ça va faire 3 sites d'affilée. Hein. Tu sais pas, et ça fait 3 sites d'affilée que je vois où on doit faire droplette sans la lanterne. On doit aller à droplette sans la lanterne. Ça se défile et ça se ressemble. Par contre, il faudra éviter de faire des câlins par les guignies, parce que là, un cœur et demi, ça va partir très très vite. Écoute. S'il meurt ici, au moins, il va pas trop bouger. Il va mourir au cimetière, il sera déjà sur place. Le lieu optimal pour un enterrement. Et là, on voit qu'il est très prudent dans son... Et tu bonk. Dans son dash. J'ai jamais compris comment tu peux bonk sur la transition d'écran. Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'est foiré. Il a appuyé sur bas ou de haut, je crois. Il a mis input, je pense. Et il manquait une fois à gauche, hein, il me semble. Oui. Non, je crois qu'il a fait une de trop, même. Non, c'était avant, il avait fait une de trop. Il a fait gauche une fois de trop. Ouais, il y avait la pancarte qui lui disait que c'était pas le bon chemin. Voilà, c'est ça. Bon, Dampé, toujours pas bro, évidemment. Dampé, ce fourbe de Dampé. Écoutez, moi de mon temps... Moi de mon temps, je ne donnais pas la clé du cimetière aussi facilement. Hein. Et enfin des nouveaux checks. Enfin nous allons avoir des nouveaux checks. Alors le 100 rubis au papillon. 100 rubis. 200 rubis. Troisième bouteille. Attends, c'est la troisième. Oui, il me semble que c'est la troisième. C'est la troisième. Bon, pour le moment, rien de bien intéressant. Encore une mort de stream. Alors, dans la tombe, il y a 5 rubis, c'est nul. Et Cloud Tops, il me semble que c'est Cloud Tops Castor. Que j'ai vu. J'ai vu Castor. Faudra voir quand il va actualiser. Personnellement, j'ai vu Castor, je suis pas sûr. Je n'ai pas vu. Non, c'est bien Cloud Tops. C'est Cloud Tops, ok. Bien Cloud Tops.
Et on a une burse. Alors il va la prendre pour Great Spin. Oui, c'est un bon choix. Donc malheureusement, on a tous les checks de la crypte. Oui, puisque on a eu le seul objet randomisé au le début. Le seul objet de la crypte élément. On n'aura que la bourse. Mais ça donne quand même accès à Palace. Le seul problème que l'on va avoir, c'est qu'il sera sans doute nécessaire de full clear Palace pour être tranquille. Alors attention, parce que t'as plus qu'un demi-cœur au moment d'affronter les Gibdo. Et sans Great Spin, juste avec la lanterne, la hitbox un petit peu capricieuse. Alors au moins il peut utiliser le Pyrite Beam. C'est vrai qu'il peut être un peu plus safe avec le Pyrite Beam. Et voilà. La crypte est terminée, elle donne l'élément feu. Au moins, la logique des clés dans la crypte, c'est pas trop dur. Bah, non. Disons que, mis à part les deux checks de complétion du donjon, t'as quatre checks qui sont tout. Non, t'as deux checks sur lesquels t'es obligé d'avoir au moins une clé. Et ensuite, t'as les deux autres checks qui t'oblige à avoir les trois clés au total. Donc c'est vrai que c'est pas dur. Même si le map tracker est bugué pour ça. Et donc on retourne à Veil Falls à pied. On aime. Et on les stream de part et d'autre là qui commence à sauter. Ah, une mort. Ah, ben, il a pas voulu mettre sa lanterne. Hein. Il l'a mise dans la Vallée Royale, mais pas dans les fosses. Quelle qualité stream d'ailleurs. 480, ah oui, mais. Il va quand même faire Palace sans faire le check qui nécessite l'épée de 3 de Veil Falls. Oui. Ah, c'est dommage. Mais oui, alors c'est bizarre parce que iBot, du coup, ne stream que en 720p, mais il a des drops. C'est le délai, faut pas. Oui, si c'est côté mémoire, ouais. Et il a trouvé sa canne. Du coup, il est content, et puis il se casse. Ah non, il va d'abord clear, mais il va se casser ensuite. Oui, parce que lui, il a pas fait le boss, donc il sait pas que c'est une clé dans l'autre coffre. Et du coup, il y a des chances qu'il fasse le Green Shoe derrière aussi. Il va clear le donjon. Alors, tour des éoliens, qu'est-ce que nous allons y trouver maintenant ? En vrai, si on trouve les deux items qui nous manquent, c'est terminé. Hein. Oui, alors, il peut y avoir une épée, ou la dernière Caster Wild, ou les deux. Ou de la merde. N'oublie pas le dernier check de Grégal en même temps. Oui. Ah bah. Quatrième bouteille. Un quart de cœur, très utile pour récupérer toute l'énergie. Ah, dash attaque. Dash attaque. Parfait. Et un rubis. Dommage. Ah, il reste encore deux checks. Rubis. Et l'Ocarina. L'Ocarina. Alors pratique. Revenir après pour faire Fortress. Ouais, Fortress.
Fortress et Cave of Flames, puisque s'il n'y a rien dans le palace... Il n'y a rien, voilà. Non, mais ça restera pratique. C'est pas la progression qu'on attendait. Quoique, ça débloque quand même des checks. On trouve le dernier bouquin dans le palace, par exemple. Et on a quand même la librairie qui est ouverte sans rien. Juste avec l'Ocarina. Ah tiens, bon, il a perdu ses clones. Parce qu'il a voulu rouler et il a oublié qu'on pouvait pas rouler en clone. Malheureusement. Et n'empêche, alors qu'on croyait quand même au début de la run iBot en avance, la vapeur a bien été inversée du côté de Dark Horse. Ah, voici une Great Spin. Alors ça vaut pas vraiment la peine d'acheter la deuxième. Ah, c'est Long Spin, ce serait Long Spin. Ou Fast Split peut-être. Ah, alors par contre, ça fait c'est un spin. Du beau petit troll du coup du côté de... Non, il a disparu au bon moment, le Blizzard. Pour apparaître au même endroit. Oh, comme c'est ça qu'on l'aime, le Wizrobe. La troisième vague. Voilà, il a les 4 sur 6. Et les deux derniers, c'est pas... Non, et non, il se fait encore troller de la même manière par le dernier Wizrobe. Et la Cap Vanilla, sachant qu'on n'a toujours rien trouvé. Ah, la grande clé. Quand on est en go mode, c'est bien de trouver la grande clé ici. Quand on n'est pas en go mode, ça fait réfléchir. Alors. Ah, oula, il a oublié d'appuyer à gauche. Ah, et du coup, il va quand même se débarrasser des chouchous. Il va tenter quand même le truc. En timing. Ah, ça passe, bravo. Joli. Alors, il a timé justement. Ah, donc sans, setup, sans setup, sans setup. Donc la carte est deux clés. Alors qu'on a une mort de Green Shoe du côté d'iBot. Il va être fort déçu de ne trouver que la Light Arrow et une bouteille. Il est content, il a son deuxième arc. C'est magnifique. Va faire iBot du coup. Je pense qu'il va... Il va faire les checks de la canne également. Il va vite trouver sa laptops. Alors, est-ce qu'on va avoir un pot puzzle? Ouais. Il va faire le pot puzzle. En même temps, tu peux pas trop te permettre de le skip quand t'es pas en go mode comme ça. Ça dépend. Très prudent sur le pot puzzle. Le tracker d'iBot n'est pas à jour. Ben, je ne pourrais pas le dire puisque je ne vois pas ce qu'il met sur son tracker. Étant donné que j'ai les deux streams. Alors, tu peux mettre la cape et le papillon des palmes. Alors, lui, il a ramassé le papillon des palmes.
Et il y a pas la noix babla, Tingle Trophy et la Dog Food maintenant aussi. Apparemment, ils sont pas contents parce que t'as oublié la noix. Malin, malin, c'est mis la noix. Vous me les brisez les noix avec votre noix. You forgot the nut. Prendre une jolie citation de Léo Dagan dans Kaamelott. Je vais vous proposer mon pied dans les noix. Et du coup, lui, il te répond avec une réplique de Perceval. Ouais, c'est pas faux. Et moi, en général, je réponds merde, ça va avec tout. Donc, il va très certainement faire l'aile ouest. En recherche d'objets, là tu fais l'aile ouest. Et fort heureusement, il y avait quand même une clé au pas de puzzle. Ah, il y a quand même pile de clés, ça fait mal de faire les. De les bouffer ici, surtout si t'as rien derrière quoi. Ouais, mais comme tu vas être obligé de le foutre tant que t'as pas trouvé les items qui te manquent. Il avait raison. Bien joué. T'es un petit peu en avance d'ailleurs. Ou alors c'est peut-être moi qui suis en. Oui, c'est moi qui suis en retard de 3 secondes. Ah, c'est beau cette épée là. Elle vaut de l'or celle-là. Oui. Et donc voilà, il ne reste plus qu'une seule Kingstone pour être en go mode et donc ce sera un Fortress go mode. Ce qui est toujours très confortable parce qu'il suffit juste de trouver la grande clé la... et ouais, c'est même... fini. Même pas les clés. Hein. Même pas les clés. Juste la grande clé. Juste le Burger King et vous avez fini. En plus, on lui redonne une petite clé ici. Voilà, on utilise deux clés, on en récupère une. Ça va. Rentable. Par contre, je n'ai pas vu si on avait déjà trouvé la carte et boussole du don. Carte, oui, mais pas boussole. Ah oui, donc il y a encore un check. Encore un check blanc dans ce donjon. Ah, mais il faut arrêter de drop, monsieur. Récupère ah, une j'ai clé. Pas vu le... C'était une clé. J'ai pas vu le gros corps. C'était une clé. Ok. Ebot est pour le moment dans la grotte au trésor. Ah, dommage. Il faut pas spammer. Faut pas spammer, faut ouais. Pas spammer. Pas spammer parce que t'as toutes les frames pendant lesquelles le switch est actif et se désactive ensuite. Voilà, c'est mieux là. Ouais, donc il nous manque la boussole, donc il y a un check blanc encore dans ce donjon. Et tout le reste, ce sont des items. Et la clé qui nous manque. Bah, c'est très bien, on a pas tout... il nous reste une clé, il me semble. Il reste une clé. Dont on va avoir besoin, puisqu'on n'est pas gommode. Puisqu'on aimerait trouver la Kingstone. Et de toute façon, on va en avoir besoin puisqu'on a utilisé les deux clés à l'aile ouest. Oui. Et donc, l'épée et puis le boomerang magique chez Ibot. Les Wizards, très rapide. Et la dernière clé. La dernière clé. On peut accéder à la salle du trésor. Le stream d'iBot est de plus en plus en train de mourir. Tandis que iBot du coup va iBot il va à la crypte. Ben, il va pas tellement rattraper, il suit.
rattrape pas, il ne fait que suivre pour le moment. Il est derrière. Ah, de toute façon, si la Kingstone elle est à Palace, c'est terminé. Effectivement. Alors, le petit warp de sûreté. Un quart de caille. Un drop. Ah, il va. Il a vu quelque chose sur le freestanding? Ah, il me semble que c'était un. Ah, il me semble que c'était un rubis. Ouais, il s'est aperçu qu'il a peut-être oublié un check. Ah, il a oublié celui-là. Ah oui, ah, d'accord. Oui. C'était. Ah, bah, voici la boussole, justement. C'est la boussole. Voici la boussole. C'était le seul que tu voulais pas, en fait. C'est pour ça qu'il a pris le, qu'il a mis le warp, en fait. Ouais. C'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il l'avait oublié, ce check. Ouais. Bien, il reste donc 3 checks avant le boss. Ah, j'arrête pas de drop. Ah oui, moi j'ai eu un gros. Alors, un gros drop. Barbarossa's Maze. Aïe. Ah ouais, c'est. Oui, ça passe bien aussi, c'est rapide. D'accord. Mais ce n'est rien. ça donne rien. Une strat intermédiaire, on va dire. Une strat pour laquelle t'as moins de chances de te foirer. Bon, il est pas si dur que ça, le backward jump. Plus qu'un coffre. C'est plus facile que le backward long jump de Mario 64. C'est pas faux. Alors, du coup, on va faire le dernier check avant le boss. Et la cinquième Kingstone de Cloud Tops va arriver pour iBot. Attention. Bon, bah, c'était rien. Donc, c'est pas dans Palace. Donc, peut-être Georg. Sinon, il reste quoi? Les ruines du vent. Bah, on peut pas y accéder. Ce serait Cave of Flames. Justement, il y aura rien dans les ruines devant. Ça serait Cave of Flames. Ou la ville. Bah, la ville, il reste plus. Ah bah oui, la cour de l'école, par exemple. Ça peut être la cour de l'école. Ça peut être Tingle aussi. Ça peut être la dog food. Tingle, je crois qu'on l'a vérifié. Tingle, on l'a eu. Bah... Ah non, on l'a pas eu. Non, c'est. Non, je comprends avec une autre cible. Je confonds avec une autre race, effectivement. Oui, Tingle n'a pas été fait. Dogfood a été fait, par contre. Et ne tente pas la strat à la cape. En vrai, t'as fast split, donc... Bah, t'es cap ou t'es pas cap? Et il m'a entendu. Eh, non. C'est plus haut. Non, c'est plus haut. Voilà. Il a fait français, je vous ai compris. Joli strat great spin, comme ça on retombe, on est direct là, c'est parfait. Il s'est vu qu'il se serait fait troller, donc il part ok au Dome Trust. Bon, je crois qu'il a été chanceux là. Non, non, d'accord. Par contre, il a fait bugger les yeux. On a eu les yeux buggés. Et le dernier cycle. Ah, c'est là que Don't Trust il est bien. Parce que tu peux te faire troller pendant que tu prépares ta spin attack. Et voilà, c'est la mort de Georg.
relativement bien exécuté malgré les trolls. Hein. Et élément O. C'est vrai que la strat d'Antrust est quand même ultra consistante comparée à charger les clones avec la force sword. Parce que tu peux plus facilement te faire troller avec les boules d'énergie ou le Gurg Mal. Perte de cœur de la part du Gurg, malheureusement. C'est non. Donc il ne reste que des checks un petit peu isolés. Alors je pense qu'il va aller peut-être faire Library maintenant. Ou finir Cave of Flames. Non, même pas. Il va faire la cour de l'école, sans doute la grotte des palmes. C'est là où il y a le plus de checks, effectivement. Après, enfin, après Cave of Flames. D'ailleurs, on a oublié de mettre que iBot a son deuxième élément. Et je vais mettre l'élément. Est-ce que c'est derrière la Force Lord? Et c'est non. C'est non. Il me semble qu'il n'ait pas fait le toit en plus. Il va le faire, au passage. Bah, mais nous on sait qu'il n'y a rien du coup. Donc là effectivement il peut s'il le voulait, il peut s'il veut clear la ville avec la librairie et Grotte de Palme. Bah, et j'ai un chat qui dort sous mes yeux. Alors, Grotte des Palmes, c'est quand même des checks en plus. Deux en plus. Ah, du coup, c'est le coffre que... Et puis, iBot, voilà, c'est le coffre que Dark Horse a skippé, donc ça pourrait être décisif. Et si alors, c'est là, c'est il un peut carte, prendre quoi. L'avantage. Non, et c'est un rubis bleu. On le voit en diaporama, mais on a vu que c'était un rubis bleu. Là, de toute façon, on arrive sur les moments décisifs. Hein. C'est celui qui va trouver la dernière Kingstone qui aura gagné. Mais le problème, c'est qu'iBot, il va directement à Palace, dont on sait qu'il ne va rien trouver. Et en une nouvelle mort. Aïe, nouvelle mort à Veil Falls. Le nouveau Game Over qui pardonne pas parce qu'il repart du début. Donc là, il resterait Tingle. Oui, il trouvera juste que l'épée, mais il trouvera pas la Kinson qui nous intéresse. Après, il peut, c'est vrai qu'il peut la skipper, hein, cette épée. Il décide de pas faire l'aile ouest, il va skipper l'épée. Il te reste des items à trouver, tu skippes pas. Ce n'est pas Tingle, donc il faut aller à Cave of Flames. Tu peux ne pas les skip, mais tu peux toujours décider de pas les faire tout de suite. Pas maintenant, oui. Et donc là, c'est Cave of Flames. Hein. La progression, elle est soit Cave of Flames, soit derrière la complétion de Cave of Flames. La grotte des palmes. Sinon. Allez, donc on doit se retaper tout le chemin. Rappelons que le premier dip dans Cave of Flames n'était absolument pas nécessaire. Il n'était pas requis, c'était un simple dip. Mais bon, selon l'emplacement d'Akinstone, c'est pas encore tout à fait fini. C'est vrai qu'il a pas fait Library encore. Moi, j'aurais peut-être fait Library avant de faire Cave of Flames. Voici la dernière clé. Et iBot qui signe aussi son bottle percent.
Donc la tour des éoliens pour Ibot qui trouve donc sa dash attack et rien d'autre à son tour. Juste l'Ocarina. Les éoliens, plutôt les éoriens. Et il va pas dans Palace. Non, il va il va checker les trucs. Il y va. Il a pas fait. Il l'a fait ça. Il me semble, oui. Il a déjà fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Va à Palace. Il me semble qu'il avait. Ah, il avait pas fait le toit non plus. Ah, je croyais qu'il y en avait au moins un des deux qui avait fait, puisque l'un d'eux était déjà allé à la cour. Ça veut dire qu'ils seraient les deux allés à la cour. Enfin, il y en a un qui est allé à la cour, mais qui ne serait pas allé faire le toit. Non, c'est étrange. Il n'y était pas allé, en fait. L'un des deux y allait, puisqu'on a vu que derrière l'épée de 4, il y avait un bundle de 5 flèches. Ouais, c'était peut-être... Donc c'était... Ah, bah c'est pas possible parce qu'on a eu le bâton très tard. On va peut-être avec une autre cible. En plus, c'était pas un bundle, c'était un rubis. C'était une autre cible alors. Alors, le puits. On n'avait pas vu le puits, je crois. Non. Enfin, le. Oui. Le sous-sol. Le coffre central du sous-sol. Voilà, Dark Horse, il avait fait l'école, mais pas le toit, c'est bien ce qui me semblait. Bizarre. Ça reste bizarre. La grande clé est ici. Intéressant. Elle a oublié un coffre, iBot. J'ai oublié deux coffres. Bon, après on sait, on sait qu'il n'y a rien. Hein. Lui ne le sait pas évidemment. Il va les faire au retour. Il se casse avant de faire Glirock. Il va aller faire Library. Oh, c'est très bizarre ça comme play. Ouais. Je veux dire, ok, il a activé le Warp Rouge. Là, tu commites du temps dans un donjon, tu le finis maintenant, quoi. T'es, surtout quand t'es en face du boss. Et avant qu'il aurait fallu faire ça. C'est surtout qu'en plus, même si t'as pas envie de faire un check long comme un boss, dans le cas de Glirock... Il y en a trois checks, il y a trois checks. Ah bah non, c'était Library. Oh, cette chat. C'était Library. Cool ça. Ben, comment tu peux coller ça? Comment fallait tu le coller avant, quoi. Comment tu peux sortir de Cave of Flames, te dire je fais pas le boss et je vais check Library, quoi. Comment tu peux avoir mais cette chatte c'est incompréhensible. Moi, franchement, Library, tu le fais avant d'aller dans n'importe quel donjon. C'est un check de l'Overworld qui est relativement facile à aller faire. D'accord. Bah, c'est très bizarre, mais pour le coup, il a pas pu tricher puisque déjà il y a. Spoiler log, il peut partager, mais en plus, bah, il a pas pu regarder sur le stream. Ah oui, là, il est impossible de regarder puisque il est derrière, de toute manière. C'est ça, enfin, bon. Mais en plus, il est derrière. Désormais, Dark Horse est en go mode. Il ne lui reste plus qu'à trouver la grande clé. Les ruines du vent et la forteresse en go mode, c'est parfait. C'est optimal pendant que iBot y galère à chercher ses checks, mais pourtant là il a la progression, elle est à Palace. Enfin, techniquement, il a déjà eu l'Ocarina, donc s'il voulait, il pourrait aussi prendre sa dernière question. Oui, mais iBot, je pense qu'il veut faire Palace en go mode, ce qui n'arrivera pas. Sauf si il décide de faire
Library avant d'aller à Palace. Il peut encore rater la Force Sword. Et s'il trouve la Force Sword, il n'aura plus que la dernière, enfin la deuxième moitié de Palace à faire en go mode. Si tant est qu'il trouve les clés qui manquent. Bon, fort heureusement, elles sont au début. Est-ce qu'on peut coller la phrase oui, je pense que... Oui, il a tout un donjon de retard, iBot. Il me semble que l'on peut... On peut coller la phrase. Il y a, mesdames et messieurs, aucun storyboard. Ah, c'est pas storyboard c'est... Ah, c'est scénario. On me dit dans l'oreille que c'est scénario. Tu tournes autour du pot. Il y a aucun scénario selon lequel... Dark Horse ne gagne pas cette race. Apparemment, mon chat n'est pas d'accord avec toi. Ben, le chat, tu sais ce que je lui fais? Je lui fais un gros bisou. Risquera de m'en te griffer. C'est ça, tu vois, c'est le genre de chat que, pour montrer son affection, elle se fait les griffes sur ton bras. En toute affection. Mais ouais. Et Tingle, évidemment, qui donne son quart de cœur, dont on n'a rien à faire. Merci, Tingle. Et ah, il y a les bombes à télécommande, quand même, qui sont relativement sympas, un peu tardives. Bah, c'est toujours bon à prendre. Un peu tardives, mais on prend. Et on a les 4 clés ici. Les 4 clés dans la même salle. C'est pas commun. Nice. Le coffre béquin en logique. Parce que tu sais, t'es en go mode, mais... tu peux faire tous les checks quand même. Mais en fait, c'est Fortress, ça peut être soit un Fire où la Bosky est super tôt, ça peut être soit un Shadow où t'es obligé de tout faire pour trouver la grande clé et les clés qu'il faut. Alors, on va tester le côté droit. Pas de grande clé. Et il a pas check le rubis? Le rubis, c'est un rubis. Ah oui, c'est vrai qu'on on peut le voir. Non, tire pas maintenant, tu vas te faire électrocuter. Coffre de gauche. Ah, toujours pas de grande clé. Mais où est donc la béca? La carte. La carte. C'est bien. Alors Kaibot, voilà, revient à Palace. Un Clock Tops. Il a pas fait Library avant. Ça aurait pu lui faire gagner un petit peu de temps. Ah, il fait pas le coffre juste avant le boss. C'est vrai qu'effectivement, si la béquille est dedans, bah tu gagnes du temps. Ah, fast split quand même. Ouais, c'est optimal. Et c'est une bourse. Et la dernière bourse. Alors il va activer le warp du coup. Voilà, comme ça il pourra revenir direct. Tu la sens venir toi, la Becca Vanilla? Oh bah avec les 4 clés dès le début. C'est ça, même c'est plus un scénario fait. Probable, je pense que c'est ce qui va arriver. Ici le mur derrière les bons, on a rien du tout et
Rien du tout. Un cœur. On est à 17 cœurs. Ah, du coup, Dark Horse a redépassé Aibot en termes de nombre de cœurs. Et donc, on va aller côté gauche. Et... Ça, tu vois, c'est l'équivalent d'avoir un Fire Baren et, ou un Fire Gobod. Et là, t'arrives à. Tu viens de finir le maze avec les rochers et tu te dis, j'ai toujours pas la BK. Il fait même pas les Igor dans la salle du Nord. Quoi. C'est risqué. Ah, hein. C'est très risqué. La grande clé, juste ici. Aibot. Non, il va faire les Aïssor maintenant. Il a tout tenté pour essayer de gagner du temps. Oui. C'est vrai que ce check-là est assez chronophage aussi. Mais bon, t'as deux checks qui font perdre du temps, autant les faire dans l'ordre. Quoi, parce que au niveau du temps perdu, c'est kiff kiff bourrico. Et voici la grande clé. Et elle était là. Eh ben non, mon petit con, on n'a pas fait les checks dans l'ordre. Donc, on est parti pour Mazal, le quatrième élément. Alors, on va y voir la RNG. Ça va. Ouais, direct à droite, c'est plutôt cool. Dans la première rangée, ça va. Ensuite, deuxième cycle. Voilà, c'est... Rangée d'avant à gauche, parfait. Très bonne RNG. Oh bah, excellente RNG, toute la rangée avant, magnifique RNG. Alors ça manipule pas Octo, mais ça manipule Mazal. C'est quoi ce bordel? Magnifique RNG. Que donner Mazal, la boussole. Petit missing foot côté pot puzzle, c'est... il y en a un qui n'a pas poussé dans la direction qu'il voulait, bon c'est pas grave. Bien, et ben voilà, un petit coup d'ocarina pour revenir à la ville afin de pénétrer dans le château des ténèbres. Non. Mais pourquoi? Et il va même pas à la ville. Mais pourquoi il va pas à la ville? Je pense qu'il a fait un petit missile. Oui, je pense qu'il a dû. Ah non, c'est parce qu'en fait, il a voulu. Ah, il va chercher les farms. Il va chercher les charmes. Il va chercher un charme de Dean. C'est ça. Voilà. L'entrée sud, ça permet d'aller plus rapidement à la maison d'Odin. Ouais. Bon, ça se discute. C'était équivalent avec les bottes en réalité. Ça se discute. Après, était-ce utile de prendre un charme d'Odin? Bof, j'en ai jamais saisi l'utilité des charmes. D'autant que ça, voilà, ça fait des... Ça fait des trucs à faire en plus. Oh, tu perds
Une quinzaine de secondes à tout casser au total, mais... Surtout, c'est une bouteille de feu en moins, en fait, pour la fin. Pas besoin de fée. Écoute, il y en a qui ont des équipements plus petits, vois-tu ? Donc, mesdames et messieurs, chers viewers, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est l'heure de notre jeu habituel, favori et traditionnel. C'est le jeu des tours de DHC. Il y a donc en tout 5 clés de DHC à récupérer afin de récupérer la grande clé. Le fait est qu'il faudra faire au moins une tour de DHC afin de récupérer ces fameuses clés. Le problème, c'est que au maximum, on peut en faire 4. Combien de tours seront donc nécessaires afin d'obtenir cette grande clé? Entre 1 et 4. Et je suis le méchant. Je suis le méchant. Je ne fais que t'étourdir parce que je veux quand même te laisser une chance. Je suis un vrai méchant d'animé. Ah, il va aller avoir sa forçante quand même. Ne la skippera pas. C'est bien, il va avoir son pseudo mode. Il manquera juste le Kingstone. Alors j'espère qu'il pourra trouver... Ah, il la prend pas, il la prend pas maintenant. Il la prend pas maintenant. Oh merde. Putain, il va la prendre quand... Il va d'abord faire le... Non mais c'est con en fait, parce que dans ce coffre derrière, tu sais qu'il n'y aura qu'un item. Il peut pas y avoir de clé. Bah oui. Oui. Donc s'il doit y avoir un item, c'est dans ce coffre-là. Il veut le faire après celui des... Non, de toute façon, il va le faire après, c'est sûr. Alors moi, je parie 3 tours. J'en parie 3 aussi. La tour sud-est qui te sort. 3 tours, et puis moi, je vais être sympa, je vais dire tour sud-ouest, pas à faire. Alors, Sa Majesté d'Arta, je n'ai rien foutu de tout le jeu. 5 flèches, bah voilà. Il a vraiment rien foutu. Voilà, il a vraiment rien foutu de bout en bout de l'acide. C'est vraiment pas une flèche. Voilà, donc le petit Rage Slash sur la Four Sword. Pas de clé au sous-sol. Bien, donc au moins on sait que le prochain coffre contient forcément une clé. Et donc que ce sera 3 ou 4. Effectivement, donc ceux qui ont dit 2 ont d'ores et déjà perdu. On voit une strat différente pour ce type puzzle. À chaque seed, une strat différente. Ah, mais celle-là ne permet du coup pas de faire de roulade. Là, la petite optique consiste à charger l'épée avant d'entrer dans la salle. On perd un petit peu de temps, le temps que le blade trap passe. Oh, miraculeusement, c'est une clé, je suis surpris. Incroyable! Incroyable! Voilà, et donc du coup, on entre la section des tours sans clé. C'est bon, ça. Alors, il reste un seul. Alors, il reste un coffre. Seul... Coffre de la destinée, 3 ou 4. La stratégie en quinconce. Et celle qui est attendue normalement dans le jeu. Pas les développeurs.
un petit troll par les Fire Snakes. Et on va voir ce fameux dernier coffre avant les tours. Ouais, c'est plus vite avec la strat kamikaze. Eh bien, c'est une 4 tours, mes chers amis. C'est une seed à 4 tours, chers viewers. J'espère que vous êtes attachés à vos ceintures et que vous avez apporté de quoi manger parce que l'on va se faire chier. On va profiter un petit peu de ce moment où il se passe rien pour vous rappeler que demain, il y aura une autre race à la même heure, au même horaire. Alors que le stream est en train de sauter. Je vous prie de bien m'excuser. Il n'y a pas de souci. Ah, donc le chat n'est plus dans ma chambre maintenant. Voilà, iBot est en train de tomber. Il tombe deux étages. Ah là là, il tombe comme les frames. Le stream de Dark Horse qui accumule le retard. Oui, cette strat avec la spin est très très généreuse au niveau des hitbox. On peut le faire depuis assez loin. Bonne gestion des knuckles. Bon, il reste une salle de troll. Bah non, justement, il a passé pendant que j'étais occupé. Du coup, j'ai pas vu. Il a fait de la strat single sweep hein? Non. Dommage. Ah bah voilà. L'apparition du Dark Knight a encore fait bugger le stream, évidemment. Ah bah il utilise Great Spin, il a pas fait long feu. Expédié. Voilà, c'est comme un collier à la poste. Pendant qu'Aibot il se prend un petit câlin. Et on aime les câlins d'équipe d'eau évidemment. Il commence par la tour nord-ouest. De toute façon on sait qu'elle a une clé, donc on sait que les quatre ont une clé. Autant commencer par une des plus rapides. Voilà, on évite surtout de se faire attraper par les Wallmaster. Alors attention, dans ce coffre, il y a une clé. Incroyable. Comment as-tu fait ? Incroyable. Je suis devin, j'ai le spoiler lock sous les yeux. Tu es Franck Oracle. On enchaîne sur la tour nord-est. Deux coups de Great Spin, c'est suffisant. Ou alors une Great Spin, un coup de spin plus un coup d'épée. Ah, nickel. Vu qu'il leur suffit que de trois coups de Force Sword pour rentrer chez Mémé. La Great Spin pour trouver le bon fantôme, ça passe tout de suite. iBot récupère la fée qui est dans l'avant-dernière salle de Palace. Bon, il n'avait pas excessivement besoin vu le nombre de cœurs qu'il a.
On aime le petit ice trap au moment où on s'apprête à sauter. Hein. Bien sûr. Il manque juste un coup pour ce Dark Knight, puisque les Dark Knight rouges, c'est 5 coups à la Force Horde. La vieille strat à la bombe. Pas vieille dans le sens inutile. C'est une ancienne strat. Troisième clé, il en reste plus qu'une seule tour. Il se trouve évidemment dans la tour sud-ouest, la tour de Bayonne. Et donc je vous avais promis avant la race qu'on aurait une race en sub 3, c'est le cas. Ah bah tiens, je connaissais même pas cette solution là. On le dit à chaque fois qu'on commente une race, on va voir une solution différente pour les différentes tile puzzles de DHC. Tout comme on va voir une solution différente pour le pot puzzle de Palace. Et enfin, la dernière clé pour pouvoir accéder à la boss key. Et voilà. Et donc maintenant, alors il fait même pas le plein de fées. Alors c'est vrai qu'il a le charme de Dean, mais il est confiant quand même. Hein. Il a 9 cœurs. Le troll par les bandits. Par contre, il faut faire attention à Ibot. Là, t'es à un demi-cœur. Bon, ça va. Il avait des faits. Non, mais il avait des faits, c'est pour ça. Oui. Ah, bah, c'est le délai qui t'a fait de l'effet, surtout. Voilà, il a utilisé le charme de Dean. Pour casser la gueule plus rapidement au Dark Knight. Et ça fonctionne très très bien. Il a même fait les Dark Knight sans prendre de dégâts. Sachant que voilà, les charmes ont un temps limité. Ils ont un temps d'action qui est limité. Voilà, troisième élément pour Aymat. Tandis que Dark Horse fait déjà 20. Les deux yeux. Pas de troll par les hitbox, des yeux, pas de soucis. On prépare la Great Spin. 1, 2, 3, 4. Ah, il est trop loin. Ah, est-ce que ça suffira ça pour le deuxième cycle? Il a fait 6 coups. Ouais, c'est bon. Oh, ça. Passe. Avec finition plus, à la roll attack, parfait. C'est ça, en plus il le fait à la roll attack, ce qui est un peu plus difficile que de le faire à la great spin. Et parce que les points de vie des six, ça doit être 4, 6 et 8. Alors par contre, malheureusement, pas de keep swag. Le cycle de à gauche. Il troll un petit peu en se mettant sur les tiles, évidemment. Hein. Bien évidemment, on aime quand les yeux sont à gauche et qu'il va à gauche. Si V2 ne troll pas un peu, ce n'est pas un vrai V2. Les yeux sont à droite. Alors qu'Aibot va finir visiblement Everflames.
Aïe 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 aïe. La force, mais il en repart. Voilà, bon 3 cycles, parfait. Donc, Roman, il a eu les 3 cycles sur les deux premiers bâtis. Il reste plus que la dernière phase. Il ne prend même pas les filles, il ne se soigne pas, il est confiant. Bah, t'as 8 cœurs, Vati 3, en vrai, ça va. Le celui qui pourrait faire le plus mal, c'est Vati 2. Par son imprévisibilité. Oui. Par contre, il a perdu le charme. Non, il a plus de charme, oui. Non, il faut d'abord qu'il plante ses bras dans le sol pour que tu puisses les séparer au bâton. En qu'un coup. Va-t-il tenter le Limpless puisqu'il a Greater Spin? Non. Non, personne ne tente le Non, Limpless. Personne ne fait de Limpless. Quand tu l'as, la lampe, tu l'utilises. Parce que rater en ayant la lampe, déjà, un, t'as l'air con, et en plus, tu perds du temps. Il n'y a que Myth qui va tenter. Eh ben, on va le laisser la faire. Aïe. Ah, pas assez rapide. Il était à un taille près. Oh, puis il est juste sur le portail, en plus. Il peut pas y aller à la bombe. De toute façon, il n'a pas équipé les bombes, donc on pense qu'il va y aller direct à l'épée. Alors, je pense qu'il les aurait équipés s'il n'avait pas été sur le portail. Et ouais, ça, c'est un des cas où on peut pas faire la strat bombe. Ah, trop à gauche. Trop à gauche, oui. Ou pas assez à droite. C'est la même chose. Et deux fois sur le portail. Encore sur le portail, hein. Décidément. Allez, on y va pour le triplé, peut-être. Le triplé, non. Alors, dans ce cas, c'est mieux de le finir avec la roll attack, mais même pas. En tout cas, c'est fini à 2:49 et 28 secondes. Dark Horse passe au troisième tour. Temps officiel 2:49:26. Voilà, c'est fait. Nous avons donc notre premier, notre second qualifié pour le troisième tour. Et donc là, avec le jeu du délai, iBot est au courant qu'il a. Dark Horse a terminé. Il a l'air de continuer. Voilà, donc avec cette victoire, Zaydar Horse passe au troisième tour. Il affrontera le gagnant du match entre Daxamlint et le gagnant de RPG Dragon versus Goomba. Le match fantôme, comme je le disais au début du live. Tandis que iBot 02, perdant du match numéro 17, affrontera le gagnant du match du loser round 1. Qui est entre Nimbus et le perdant de Semirer contre Windsrikem, qui, il me semble, va être schedule pour samedi. C'est ce que j'ai cru lire également. Voilà un petit coup d'œil sur le bracket, sur le loser bracket. Je remonte un petit peu le winner. Le match qui nous intéresse, le voici. Et donc, Dark Horse, on l'a dit, il va passer. En round 3, on va remettre un petit coup la race, pour essayer de voir ce que fait un petit peu iBot. Alors on passera pas à l'interview, malheureusement, parce que j'ai 2-3 choses à faire et puis... On va dire que voilà, rester assis pendant près de 3 heures, ça fait pas du bien à mon dos, donc on s'arrêtera là.
toute manière, l'interview, ça se résume à Meat qui engueule un peu les renards en disant « Quand vous allez à un endroit, faites les checks rapides qui sont à côté, sinon ça vous évite de faire des retours. » Et puis surtout, quand vous êtes dans un donjon que vous pouvez finir, finissez-le, même si c'est chiant. Et avant de faire un donjon qui n'est pas requis, faites un check ultra facile, et en plus dans la progression grâce à l'Ocarina, ça vous éviterait de faire des trucs nuls. Là, en plus, Aibot est en train de faire Glirock, il va le faire dans le vent. Bon, officiellement, il l'a fait. Effectivement. Je pense qu'il va faire Glirock. Il va faire Glirock et après, il arrêtera. Quand il verra qu'il n'y a rien à Glirock. Ah, c'est vrai que iBot n'a pas de son, je voulais switcher de son au moment où au moment où les crédits de fin se seraient terminés chez Dark Horse, mais il n'y a pas de son chez iBot. Donc on va mettre un peu de musique de notre côté en attendant que pareil se termine. Mais merde, je n'ai pas la musique. Du tout. C'est du tout. Le reste. Et donc du coup, Aibot qui va aller voir Mellary. Alors qu'est-ce que Flame, c'était Baren. Totalement Baren. Et Mellary donnait un rubis bleu. Merci Mellary. Ah Mellary, qu'est-ce qu'on t'aime. Et là, voilà, là il a arrêté, je pense. C'est là qu'il a arrêté. Bien, et ben, on va refaire juste un tout petit point sur le bracket. Je vais vous l'afficher. Et je pense qu'on se quittera là-dessus. Donc, regardons, voilà. On vous confirme donc que Dark Horse va passer en round 3 et rencontrera l'adversaire. Enfin, le gagnant du match... Alors, le gagnant du match de Daxam contre le gagnant du match RPG Dragon Goomba, dont on ne sait toujours pas s'il aura lieu et quand il aura lieu. Donc, grand mystère, chers amis. Et quand Loser Bracket, donc du coup, perdant du match 17, le voici. Alors, techniquement... Même s'ils vont faire leur match assez tard, il faut qu'ils soient schedule avant le 5 avril. C'est ça. Sinon, les deux sont disqualifiés. Et ça va être la merde pour pouvoir après... il va avoir une free win. Dax aura une free win dans ce cas-là. C'est-à-dire que Dax, il a une free win et tout de suite contre... Il pourra déjà schedule son match contre... Contre Dark Horse. C'est ça. Voilà, c'est... Du coup, Daxam, il aurait de la chance, il aurait été seedé tour 3 direct. Il serait... Attends, il aurait plus de chance que moi. Enfin bon. Et que donc, en loser bracket, du coup,
Aibot va se retrouver contre le gagnant du match de Nimbus, dont l'adversaire n'est pas encore connu, puisque ce sera le perdant du match Semi contre Wins, qui aura lieu samedi. Et avec ça, déjà avec le match Semi-Wins, et si un jour on a le match RPG et Goomba, on aura enfin terminé avec les matchs du round 1 du Winner Bracket. Il restera juste le round 1 du Loser Bracket, et on ne parlera plus du round 1. On aura fini le round 2 avant le round 1. Il y a des chances en vrai. Il y a des chances que le round 2 du winner soit terminé avant le round 1. On peut aussi faire un petit... Alors je vais peut-être vous l'afficher en vrai. Un petit point sur les matchs qui sont à venir. Il y a le match demain, il me semble. Alors, voici l'emploi du temps des matchs qui sont prévus. Alors, il y aura demain, vendredi, à 21h, le match Myth contre Rylux. Oui, et le lendemain... Ah non, ça a été déplacé ? Non, ça a été déplacé. Ah bon. Donc il n'y a qu'un match demain à 21h, donc Myth contre Rylux. Myth qui va faire ça, son entrée dans le tournoi, car il avait son bail comme tous les 7 premiers décidés, le bail pour le round 2, donc il va affronter Rylux en tour 2. Donc je répète, demain vendredi 3 avril à 21h heure française, ce sera sur ta chaîne je suppose, Rom. Sûrement, vu que là je n'aurai pas... Pas de problème pour host à 21h. Voilà. Donc ce sera sur la chaîne de Rammstein. Sauf problème de force majeure. Voilà, mais auquel cas, moi, je serai toujours là pour prendre le relais. Ce qui est bien, c'est que je peux jamais rien promettre avec cette famille. Non, parce qu'apparemment, ça parlait de m'envoyer chez mon père pour le week-end, malgré le confinement. D'accord. Bon. Voilà, quoi qu'il arrive... Quoi qu'il arrive, voilà, c'est un match qui est en prime time, donc c'est un match qui sera certainement restream, soit chez moi, voilà, soit chez moi, soit chez Rome. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez votre dose de Minish Cap pour ce vendredi. Vous pourrez voir la France triompher. Alors il y aura juste un tout petit problème lundi du coup, parce que lundi il y aura deux matchs en même temps, l'un à 20h, l'un à 21h. Le match de 20h, c'est Nesman contre Carsen, et le match de 21h, c'est Bluesy contre votre serviteur. Oui, bon, on sait très bien lequel va être diffusé, bien sûr. Bon, rien ne nous empêche de restream en différé le deuxième. Hein, parce que moi, le match de Nesman m'intéresse beaucoup, donc j'aurais bien envie de le restream peut-être le lendemain, ou peut-être même... Alors... Peut-être même dans la nuit, mais dans la nuit, c'est un petit peu tard, donc sans doute le mardi, s'il n'y a pas d'autres matchs. Disons que si j'ai la co, je peux éventuellement de tenter de faire une double rediffusion. Genre oh putain. Alors, le seul souci, c'est que j'aurais un peu du mal à traquer 4 personnes. Surtout qu'en plus, ça veut dire qu'il va y avoir... Il va falloir que je change de layout en plein milieu pour passer d'une race à 2 à une race à 4. Ça serait pas facile. Bah surtout tu vas avoir en plus une heure de décalage. Il y a une heure de décalage entre les deux races. C'est ça. C'est pour ça que je dis changer de layout entre les deux. Quoi. Ne t'emmerde pas. Ça, on en fera une en différé. On fera en différé le lendemain s'il n'y a pas d'autres races de prévu mardi. C'est vrai, il n'y en a pas. Bien, je pense que tout est fait, tout est dit. Visiblement, oui. Faut toujours que je schedule mon match, mais visiblement, ce qui est en discussion actuellement, mon match, c'est qu'il soit dimanche. Sur la weekly Soit à 20h, soit à 20h30. Donc, effectivement, en lieu et place de la weekly. Pourquoi pas, après. Disons qu'en fait, PK
que Pals ne pouvait pas se schedule après en pleine semaine et il est occupé jusqu'au samedi, donc on pourrait se schedule que le dimanche. Oui, mais on peut se faire sur le temps de la weekly, c'est pas un problème. C'est des desserts que ça va gêner en fait, hein, puisque là, ils vont pas pouvoir rester ça. Ils vont se dire. ZDSR vont restream le match de toute manière. S'ils restream pas la weekly, ils restream le match. Justement, ils vont restream la weekly, je pense. Tu crois? Oui, je pense. Moi, je pense pas qu'il y ait du monde sur la weekly, hein, du coup. Il y a juste deux joueurs en moins. C'est. Enfin, trois joueurs en moins si on te compte toi. Si ah oui, moi j'y serai pas en tout cas. Moi j'y serai pas puisque je vais commenter. Ouais. Enfin, nous verrons bien. On a le week-end pour réfléchir et voir comment on va s'organiser. Bah, en tout cas, ça serait donc le 5 avril. Voilà, voilà. À présent, cette fois, tout est fait, tout est dit. Il n'y a plus rien à rajouter. On vous donne donc rendez-vous. Demain, 21h, pour le premier match de Myth sur ce tournoi. Myth contre Rylux, pour un match de tour 2. Venez encourager le joueur français. Allez la France, oh c'est maintenant ou jamais. Et donc, bonne nuit. Alors, pour finir ce stream, je vais sans doute vous... diriger vers un sinistre inconnu. On va aller hoster qui ça? On va hoster quelqu'un que personne ne connaît, qui est en plus c'est un abruti. Donc on va le hoster pour lui donner un peu d'aide. Un certain cassé nécro qui est sur du qui est sur du Persona 5 Royal. Alors faites attention au spoil. Si vous ne désirez pas être spoilé de P5R, ne suivez pas ce host. Mais en tout cas, on va hoster ce cher nécro. Bonne nuit à tous. Prenez soin de vous et à demain. Au revoir.